Bonsoir les Nuréens, soyez les bienvenus sur votre média. Je suis très très content de vous retrouver ce soir et encore plus heureux de retrouver notre ami Michel Desailly qui vient poursuivre avec nous cette histoire secrète de l'histoire de France et on va en apprendre encore un peu plus et avancer le long de cette frise chronologique et découvrir quelle est cette fameuse fin de cycle dont nous a subtilement parlé Michel au cours des précédentes émissions et voir en quoi ce cycle continue d'avancer vers un point qu'il va définir lui-même et qu'il saura mieux vous expliquer que ce que je pourrais faire dans cette petite introduction. Avant qu'on ne poursuive, les amis, installez-vous confortablement. Je vous rappelle pour celles et ceux qui souhaitent échanger sur le fil de discussion, poser des questions, des commentaires et puis pouvoir partager avec les autres Nuréens que ça se passe sur le site www.nurea.tv. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nous utilisons l'application commentaire Facebook, donc il faut un compte Facebook, et vous allez sur la page de l'émission, et juste en bas de page, vous avez les commentaires. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre et à participer activement à ce fil de discussion qui est à chaque fois très animé et de manière fort cordiale, et c'est toujours plaisant de vous voir échanger, les amis. Avant d'accueillir Michel sur l'antenne de Nura TV, une toute petite info que je vous partage immédiatement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, ça sera peut-être l'occasion de découvrir la boutique Nurea Shop. Donc, c'est une boutique avec pas mal de t-shirts et pas mal d'habits, etc. À l'effigie Nurea TV ou avec pas mal de logos qu'on a mis en place pour vous sur cette boutique. En ce moment, donc aujourd'hui et demain, il y a une promotion de 20%. Donc, on s'est dit, c'est peut-être le moment de vous le faire savoir et pour que celles et ceux qui sont intéressés puissent en profiter et profiter de cette réduction. Donc, si vous êtes intéressé, lorsque vous allez sur la boutique Nurea Shop, vous n'avez qu'à cliquer sur ici, visiter la boutique Nurea Shop ou un petit peu plus bas à droite, vous cliquez ici sur le logo Nurea Shop. Et ben, quand vous faites votre commande, vous saisissez le code promo qui est ici, 20 avril 18, et donc vous pourrez bénéficier de ces 20% de réduction sur vos commandes dans la boutique Nurea Shop. Voilà, ça c'était la petite information, encore une fois, pour celles et ceux qui sont intéressés par cette boutique, et je sais que vous êtes nombreux, donc autant en profiter quand les prix sont un petit peu plus bas. Revenons à nos moutons, les Nuréens. Ce soir, nous poursuivons l'histoire secrète de France. La dernière fois, nous avons vu la Renaissance. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu les précédentes émissions, si vous êtes sur le site, j'ai mis un petit lecteur avec toutes les précédentes émissions. Il y en a déjà trois, depuis les grottes peintes préhistoriques jusqu'à la troisième émission, donc qui était consacrée à la Renaissance. La dernière fois, on s'est arrêté avec la fin de la Renaissance et surtout la fin de la chevalerie et la chute du chevalier Bayard, tué à l'arquebuse en 1515. Enfin, pas en 1515, mais tué à l'arquebuse, alors que c'était un héros célèbre de Marignan, notamment en 1515, et donc la fin de la chevalerie militaire, avec tout ce que cela implique en termes de spiritualité, de valeur, et Michel nous expliquera par rapport à la tradition primordiale en quoi tout ceci était dommageable. Et ce soir, on va s'attaquer à la suite de cette histoire de France, on va partir de l'époque de Louis XIII et on va essayer ce soir d'aller jusqu'à Napoléon Bonaparte et la chute de l'Empire napoléonien. Voilà, je crois que j'ai bien résumé la chose. Pour les compléments d'information, c'est avec notre invité du soir que ça va se passer. Bonsoir Michel, sois le bienvenu sur Nurea TV. Eh bien, bonsoir Guillaume, bonsoir aux Nuréennes et Nuréens. Content de retrouver tout le monde. Merci de l'accueil qui a été fait les fois précédentes. Donc, on continue dans ce, scénario et épisode depuis la préhistoire, Lascaux. En gros, on est parti de Lascaux pour notre pays. Hein, il y a des grottes plus anciennes, mais pour nous, Lascaux. Voilà, jusque la Renaissance, la fin de la Renaissance, la dernière fois, qui se finit, comme tu l'as dit, par la mort de Bayard et en même temps la fin de la chevalerie, mais aussi des guerres de religion, puisque la Renaissance a comme phase négative les guerres de religion. La fameuse Saint-Barthélemy fait partie aussi de la Renaissance. Donc il n'y a pas que Léonard de Vinci et les châteaux de la Loire quand on parle de cette période de l'histoire. Il n'y a pas que du beau, il y a aussi beaucoup de massacres. Oui, il y a toujours une face sombre. Hein. Voilà. Donc, ben, content de faire la suite. Hein. Donc, on va essayer de faire court. En C'est un bien grand mot quand on même temps, nous connaît. prendrons le temps qu'il faut. Voilà, hein, pour faire en gros, les 2 siècles suivants qui sont liés, hein, même si c'est très différent de parler
de l'Empire napoléonien et Louis XIII ou Louis XIV, mais ça forme un tout quelque part, hein, puisqu'il y a une monarchie absolue et la Révolution qui en est sa destruction. Hein, tandis qu'avant, on n'avait pas une monarchie dite absolue. Ça a changé justement sous Louis XIII. Donc, je rappelle quand même pour tous ceux qui suivent ces épisodes et les personnes qui seraient là pour la première fois, que les événements se replacent dans ce qu'on appelle la décadence cyclique des temps. Hein, c'est-à-dire que ce qui est présenté en général, et c'est normal, hein, comme une évolution de l'histoire, puisqu'on passe de la préhistoire à l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, et puis on a l'impression d'aller vers les nuées dans un développement le plus extraordinaire possible, etc. Qu'on appelle le progrès. Voilà, qu'on appelle le progrès, le développement de la civilisation. On voit bien que sur le plan matériel, c'est exact. On part de la taille des pierres. Bien sûr, d'allumer du feu en frottant des brindilles jusqu'au nucléaire. Donc, bien sûr, il y a un progrès, hein, qui est très net. Sur le plan spirituel, c'est tout à fait autre chose, hein, puisque la tradition primordiale croise les deux cycles. En gros, plus on développe l'économie, les finances, le matériel, la science, etc., plus il y a une décadence morale et spirituelle. Donc, on avait déjà vu dans les épisodes précédents que la perte d'Alésia, ça avait été la destruction du centre spirituel, occidental. Et donc là, on était passé au pragmatisme et au matérialisme romain. Voilà. Et avec la Renaissance, bah, malgré l'art et quelques belles choses, eh bien, on était rentré dans le monde moderne, hein, c'est-à-dire la découverte du nouveau monde, le commerce international, le développement des entreprises. Et quelqu'un comme Jacques Coeur était l'archétype de l'homme d'affaires de l'époque, hein, brassant des finances, faisant du commerce dans toute la Méditerranée, étant grand argentier du roi de France, etc. Et à la fin, et pour d'autres raisons, arrêté, hein, par le roi. Et on voit bien un peu la tendance, quoi. Alors, bien sûr, ça va faire que poursuivre, hein, par la suite. Et donc, on va enchaîner fin de la Renaissance, XVIIe siècle, hein, ce qu'on appelle le siècle classique, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, jusqu'à la Révolution. Le gros morceau, bien sûr, c'est la Révolution. Alors, bien sûr, comme je l'ai expliqué à chaque fois, il ne s'agit pas de réécrire toute l'histoire. En gros, ce qui est dans les manuels scolaires, on va pas le refaire. On va pas dire Louis XIV, il a fait ça, Louis XV, il a fait ça, il est né telle année, il est mort telle année, la Révolution, il y a eu tel événement, tout le monde sait qu'il y a eu une prise de la Bastille, voilà, l'exécution du roi. C'est de replacer ça dans une histoire générale de la France et de l'Occident et de voir les aspects, justement, ésotériques, parce que c'est pour ça qu'on est là, assez peu connus. Eh bien, écoute, c'est un bon programme qui nous attend. Voilà. Donc, c'est un bon programme, comme diraient certains. Donc, si on reprend la fin de la Renaissance, en gros, ça se termine en clair avec Henri IV. Donc, c'est la fin des guerres de religion, en même temps que c'est le règne de Henri IV. Et donc, ça se termine relativement bien, puisque on met fin aux guerres de religion. En gros, Henri IV, ayant vaincu ses ennemis, décide, pour réconcilier tous les Français et apaiser la situation en France suite à ces guerres de religion qui sont, il faut bien le dire, une guerre civile, décide de prendre la religion de la majorité des Français, qui est le catholicisme. Donc, protestant, il va se convertir au catholicisme, alors qu'il était catholique au départ, devenu protestant, redevenu catholique. Hein. Et donc, viendra au roi de France, il sera acclamé à Paris parce que on pensera que toute la situation va s'apaiser. Et on connaît très bien sa formule, Paris vaut bien une messe. Hein, c'est-à-dire que ses collaborateurs proches avaient dit, mais alors, il faut vraiment que vous vous convertissiez au catholicisme, Paris vaut bien une messe. C'est-à-dire que je vais être roi de France, il faut que je sois catholique, et eh bien… tous les rois de France sont très chrétiens et catholiques, comme on sait. Et alors, ce Henri IV est très célèbre pour avoir fait ce qu'on appelle l'édit de tolérance, c'est-à-dire pour apaiser la situation, a fait un édit donnant la liberté de pratique du culte aux protestants. Ça s'appelle l'édit de Nantes, tout le monde connaît. Et après cet édit de Nantes, on dit, ben voilà, il y a une autre religion, les protestants vont avoir le droit à leur temple et à pouvoir exercer leur culte. Et puis comme ils ont peur que les catholiques leur fassent quelques misères, on va leur donner des villes, ils auront le droit de gérer des villes, ils auront des places fortes.
Alors, peut-être que pour arranger la situation, on leur en donnait un peu beaucoup, parce que je crois qu'il y en a plus de 150, etc. Dont les très, très célèbres, surtout dans le sud-ouest de la France, en particulier La Rochelle. Et alors, ce roi Henri IV, bon, a été considéré comme un bon roi, on le surnomme le bon roi Henri, alors, par rapport à d'autres qui étaient plutôt des terreurs, comme Philippe le Bel, Louis XII, etc. Bon, Louis XI, pardon. Eh bien, Henri IV est le bon roi Henri, qui a voulu, une fois apaisé la querelle religieuse, et bien faire le développement de l'économie. Donc, il a beaucoup insisté pour des méthodes modernes, l'agriculture, etc. Comme c'était un bon vivant, ben, il aimait bien tout ce qui est production agricole, vin, etc. Son ministre Sully, c'est un gars assez organisé, pragmatique, etc. Et la France a connu réellement à cette époque-là une période de prospérité. On connaît tous aussi la célèbre formule la poule au pot tous les dimanches, en disant ben, les Français vont avoir une amélioration du niveau de vie, on dirait aujourd'hui. Hein. Donc ça a été très bien, et malheureusement, ce roi, assez bien considéré, populaire, etc., a été poignardé par Ravaillac, comme tout le monde sait, et ce roi a été assassiné. Et donc, à la fois, le règne d'Henri IV se termine et la Renaissance se termine. Parce qu'après, on passe à une toute autre période avec Louis XIII et Louis XIV. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Donc, la période suivante, donc ça commence en 1610, hein, c'est la période de Louis XIII Richelieu. Donc, fameux cardinal Richelieu qui est Premier ministre. Hein. À l'époque, ça ne posait pas de problème d'être cardinal et d'être Premier ministre d'une monarchie en même temps, puisque les deux étaient liés, hein. Monarchie, droit divin. Alors, les deux travaillaient plus ou moins en symbiose. On connaît aussi après le cardinal de Mazarin, etc. Alors, malheureusement, Richelieu est un peu quelqu'un qui a une vision très catho de la France, de la société, etc. Lui, il n'aime pas tellement qu'on ait accordé tant de droits aux protestants. Et il trouve que, alors, c'est pas forcément religieux ce qu'il va faire, ce qu'il va vouloir chasser les protestants. C'est plutôt pour des raisons politiques. Hein, son problème, c'est pas qu'il y ait une autre religion. Son problème, c'est que ça divise la France. Il y a bien des Français protestants et des Français catholiques. Et donc, il va essayer de revenir sur l'édit de Nantes sans le supprimer. On va dire, vous avez le droit à la liberté de culte, mais les places fortes, là, c'est un petit peu embêtant, quoi, parce que ça fait un petit peu état dans l'état. Donc, il va commencer à essayer de récupérer les places fortes et va dire que finalement, les protestants n'en avaient pas besoin. Mais s'ils résistent, bon, il faudra faire des attaques, des sièges, etc. Donc ça va se finir comme ça. Il va avoir le fameux siège de La Rochelle. Alors Richelieu est très célèbre pour ça. Donc tenu par les protestants parce que c'est quasiment la capitale du protestantisme en France. Même aujourd'hui, il y a encore énormément de protestants à La Rochelle. C'est un fief du protestantisme. Alors c'est très fortifié à l'époque, une gigantesque citadelle. Il faut assiéger, donc le siège est très très long. Et Richelieu a du mal à prendre la ville. En plus, comme ce sont des protestants, ils sont liés à l'Angleterre, qui est la grande puissance protestante de l'époque, parce que depuis Henri VIII, eh bien, c'est très protestant l'Angleterre. On soutient les alliés protestants, ravitaille par la mer ce port de La Rochelle. Et donc, les stratèges militaires de chez nous, une idée assez extraordinaire, c'est de mettre des chaînes dans l'entrée du port, des gigantesques chaînes pour empêcher les bateaux anglais de passer. Donc, quand le ravitaillement cesse, plus les canonnades, plus ceci, eh bien, La Rochelle finit par tomber, mais ça a été très, très, très long et très difficile. Hein. Donc, et après, le pouvoir protestant, quand même, s'affaiblit en France. Hein. Il en reste, tous les protestants ne sont pas exterminés, il n'y a plus de Saint-Barthélemy, mais enfin, bon, on n'est plus du tout dans l'esprit d'Henri IV. Hein. Alors, ce Richelieu est un peu dans l'esprit moderne aussi, développer l'économie, rendre la grandeur à la France. Et puis alors, il a une idée un peu particulière qui fait très moderne, mais qui est pas très bonne au sens traditionnel, c'est qu'il ne supporte pas l'arrogance des grands seigneurs. C'est-à-dire les grands seigneurs qui se prétendent toujours quelque chose de presque aussi important que le roi de France, ben, lui, il n'aime pas. Il veut, comme il dit, rabaisser l'orgueil des grands. Oh, c'est-à-dire ces grands-ducs, un marquis, etc., qui toujours ont été plus ou moins les pairs, P-A-I-R-S, du roi, et qui ne veulent pas s'en laisser compter, et qui sont des très puissants seigneurs. Lui, il veut un peu les rabattre, développer l'économie pour que la France soit puissante, pour qu'elle ait une armée puissante, rendre le nom de la France bien craint en Europe. Donc, il a tous ces idées-là, hein.
Il fait vraiment très moderne comme chef d'État. Et il a une idée, c'est justement l'idée moderne, c'est de renforcer l'État. C'est-à-dire la structure d'État, l'importance de l'État, l'administration, l'organisation. Et alors, il supporte pas tellement ce qu'on appelle l'autonomie des provinces. Ah, c'est-à-dire qu'il est le duché machin, qu'il est telle ou telle partie de la France. Bon, Paris, c'est loin, le roi, écoutez, sur place, lui, il n'aime pas ça du tout, il veut une unification. Donc, c'est en cela qu'il est déjà dans le très moderne, hein, le très étatique, on dirait, le très administratif, le très structuré, le très centralisé, voilà. Et alors, quand on a ça, on n'est plus du tout dans la monarchie d'avant. La monarchie d'avant est féodale, hein, le roi est le premier des pairs, il appelle le grand seigneur à venir l'aider pour une guerre. Hein. Alors c'est très conditionnel, hein. On vient avec notre armée, nos hommes d'armes, si on veut, bon, si on trouve la guerre juste, etc., et pour un temps limité. Bon, par exemple, au Moyen-Âge, on prêtait service militaire au roi pour 40 jours. Vous allez dire, mais alors si la guerre n'est pas finie, eh ben, des seigneurs pouvaient très bien décider de repartir. En pleine bataille, Pleine guerre, il avait peut-être livré une bataille, mais la deuxième, elle dépassait les jours, moi je retourne dans mon fief. Tandis que là, au XVIIe siècle, on ne veut plus faire ça. Hein. Et donc, toutes ces libertés locales, etc., ça ne plaisait pas au fameux Richelieu, qui a essayé toute sa vie, tout le temps qu'il était Premier ministre, et était Premier ministre jusqu'à sa mort, parce que à l'époque, on avait le Premier ministre, il durait assez longtemps, au moins à cette époque-là, et donc a poursuivi ce but qui a renforcé donc la monarchie, renforcé l'État, et on est rentré dans ce qu'on appelle la monarchie absolue. Là, elle est devenue absolue parce qu'il n'y avait plus de partage du pouvoir, il n'y avait plus d'autonomie locale, tout était rédigé, bien sûr, à partir de Paris, et c'était un petit peu surveillé de près. Hein. Comme on a renforcé aussi la puissance militaire, l'armée française, et puis on a développé les services secrets. Il y en a toujours eu dans les pouvoirs, mais alors là, on a fait fort. Et ce fameux Richelieu avait un collaborateur qui s'appelle le père Joseph, donc il était très discret, très, très peu connu du public, hein, qu'on appelle justement une éminence grise, parce que en général vêtu de gris. Et donc l'idée éminence grise vient de cette époque-là. Qu'est-ce que l'éminence grise? C'est l'homme secret dans la coulisse qui fait des choses. Donc dire à quelqu'un aujourd'hui c'est un père Joseph, c'est un type qui s'occupe des secrets dans la coulisse, quoi. Et il était au sens propre chef des services secrets de Richelieu. Donc on voit bien qu'on est rentré dans le monde moderne, hein. Dans le très actuel comme méthode, même si on, bien sûr, on n'avait pas tous les moyens de faire ce que fait aujourd'hui comme surveillance, contrôle, etc., mais on était déjà bien parti. Alors Louis XIII, lui, est un peu différent. Il laisse un peu gouverner son premier ministre qui fait tout ça. Lui, il est beaucoup plus détaché, beaucoup plus cool, beaucoup moins à s'occuper de l'État. Et donc, il n'a pas... Bien sûr, c'est lui qui dirige le pays quand même officiellement. A fait deux choses quand même qui est restée dans l'histoire. Enfin, une très connue et une très peu connue. Alors la chose très connue, ça profite à tout le monde, c'est l'officialisation de la langue française. Donc il y a un édit fait par Louis XIII qui s'appelle l'édit de Villers-Cotterêts, c'est dans l'Aisne, Villers-Cotterêts, et il a décidé, parce qu'il était dans cette ville au moment où il a signé le décret en question, de rendre la langue française la langue officielle pour tout ce qui est papier administratif, déclaration d'État, avis solennel et tout ce qui s'ensuit. Alors avant, ça se faisait en latin. Parce que quand le roi publiait quelque chose, c'était en latin. L'Église, quand elle publiait quelque chose, c'était en latin. Et alors forcément, les gens un peu plus modernes qu'avant se plaignaient de dire « Oui, mais nous, le latin, vous savez, il faut qu'on demande à un tel de nous traduire, etc. » Et Louis XIII a eu une idée, c'est de dire « Je vais, officialiser le... la langue française. Il a pris le français du Val-de-Loire comme langue de référence. Donc, on a pris le français de Tours, hein, qui était censé le plus beau parler de l'époque,
Hein. Et D'accord. donc, ça a été, disons, lancé comme ça. C'est le français qu'on utilise actuellement. Hein. C'est-à-dire que, bon, c'est le français enseigné dans les écoles, quoi. Alors, Louis XIII a fait une deuxième chose beaucoup plus extraordinaire, qui, elle, est très peu connue, mais c'est très important pour nous du côté ésotérique, hein, c'est qu'il a consacré son royaume à Notre-Dame, consacré le royaume de France à la Vierge Marie. Bon, alors ça surprend quand même un peu, c'est dire quelle idée avait bien pu avoir Louis XIII de consacrer le royaume à la Vierge. Elle l'est peut-être déjà un peu, parce que du temps de Jeanne d'Arc, on disait le vrai roi de France, c'est pas le roi, c'est Jésus-Christ. Donc on était déjà sur le côté de Jésus-Christ. J'avais dit dans les premiers épisodes que la France était l'héritière du royaume de Juda. Donc en gros, le pouvoir spirituel mondial était passé d'Israël et de Jérusalem à la France. À la suite de Marie-Madeleine, etc., une équipe qui était devenue dans le sud de la Gaule, où il y avait une forte communauté juive et tout ce qui s'ensuit. Et en gros, le flambeau a été passé, en spiritualité, hein, toujours, de Jérusalem à la France. Hein. Donc, on est au sens propre royaume du Juda. Ensuite, ça expliquait que Clovis, eh bien, soit roi, très chrétien, et qu'on était dans, comment dire, la fille aînée de l'Église. Donc la France, fille aînée de l'Église, héritière du royaume de Juda, ayant accueilli chez elle Marie-Madeleine, Lazare, Marie-Salomé, les Saintes Marie, les Saintes Femmes, etc., et qui ont évangélisé hein, aussi bien le Languedoc que la Bourgogne jusque Vézelay que toute la Provence, hein, la Sainte-Baume, c'est Marie-Madeleine, eh bien on était tout à fait dans le spirituel, dans le religieux, etc. Bon, j'ai déjà raconté, je passe très vite là-dessus, que le fameux Saint-Martin de Tours, ben, on retrouve toujours le fameux Saint-Martin de Tours avait évangélisé tout l'ouest de la France. Hein, et donc on a comme patron aussi Saint-Martin. Donc on a comme patron Saint-Martin, dont la fête est le 11 novembre. On a Saint-Michel, parce qu'on est aussi sous l'égide de Saint-Michel qui rayonne sur la France et qui a bon ben sa statue au fameux mont qui porte son nom, etc. Et vu qu'il est sur sommet d'une sorte de pyramide, protège toute la France aussi. Donc nous avons en gros comme patron à la fois Jésus-Christ, Saint-Martin, Saint-Michel, l'archange. Les mêmes, qui est aussi patron d'Israël. Donc l'archange qui protège Israël, c'est curieusement Saint-Michel et la France aussi. Donc on est lié encore une fois hein, par ce biais-là. Donc, on rajouterait aussi Jeanne d'Arc, mais c'est plus tard, c'est surtout la Troisième République qui a fait de Jeanne d'Arc une héroïne nationale protectrice de la France. Et donc Saint-Michel a deux fêtes. Il y a une fête de Saint-Michel de printemps qui est le 8 mai, une fête qui est le 29 septembre. Que tout le monde connaît, la véritable fête de Saint-Michel, on dit que c'est le 29 septembre, dans le signe de la balance, on représente toujours Saint-Michel pour le jugement avec la balance à la main, ça vient un petit peu de là. En poussant plus loin, il y en a qui disent que les anges étant androgynes, parce qu'ils n'ont pas de sexe féminin ou masculin, une partie masculine, une partie féminine, le Saint-Michel de printemps du mois de mai, 8 mai, est féminin, celui d'octobre est masculin, vous voyez jusqu'où ça va. Mais alors les dates sont très symboliques. Parce que comme c'est le 8 mai, c'est l'armistice du 8 mai, et Saint-Martin, c'est le 11 novembre, c'est l'armistice du 11 novembre, on a eu nos armistices de nos guerres mondiales, comme par hasard, le jour des fêtes des saints qui protègent notre pays. Alors, ce qui est très curieux, hein, bon, mais la coïncidence, les scientifiques diront, mais c'est une totale coïncidence dans la. La réalité, ça veut rien dire, mais bon, quand même, c'est très curieux. Alors, bon, ben, forcément, le catholicisme en France a toujours fait référence à la Sainte Vierge Marie, mais on se demande bien pourquoi il fallait officialiser la consécration du royaume à Notre-Dame. Alors, ça vient de deux choses. Bon, ça vient du fameux siège de La Rochelle. On retrouve La Rochelle là-dedans, c'est quand Richelieu n'arrivait pas à prendre La Rochelle, on disait, mais comment ça se fait que les protestants ne cèdent pas, ne tombent pas, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que la fille aînée de l'Église, donc très catho,
bien entendu, ne rend pas la victoire, eh bien, on dit, ben, vous avez qu'à invoquer la Vierge Marie et puis Jésus-Christ, et puis, bon, ben, s'ils sont des hérétiques, ils vont tomber. Et alors, le roi, bon, faisait des démarches de toutes sortes, pas compris, etc., la Sainte Vierge, et finalement, quelqu'un, un religieux sûrement, qui lui a dit, ben, écoutez, vous devriez demander à la Sainte Vierge Marie de faire quelque chose. Et lui a répondu, eh bien, si je gagne, si La Rochelle tombe, je ferai construire une église Notre-Dame des Victoires à Paris. Je donc ferai quelque chose pour la Vierge qui aura sauvé le pays du protestantisme. Et comme par hasard, quelques temps après, La Rochelle tombe. Donc, il y a eu un cause à effet. Il y aura donc une église Notre-Dame des Victoires. C'est la fameuse Notre-Dame qui a permis La Rochelle. Et la deuxième raison, c'est d'avoir un héritier mâle pour le royaume. Alors, ça, c'est une histoire assez extraordinaire. C'est que Louis XIII, qui est marié avec Anne d'Autriche, eh bien, n'a pas d'héritier. Il faut toujours un héritier pour le roi de France, puisque comme tout le monde le sait, en France, selon la loi salique, les femmes ne règnent pas. Donc, vous pouvez toujours procréer 6 ou 7 filles s'il n'y a pas de garçon. Il faut prendre un garçon d'une branche collatérale, donc comme ça s'est déjà produit dans l'histoire de France avec les changements de dynastie, on est très embêté. Mais là, c'est pire, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'Anne d'Autriche ne met pas d'enfant au monde, et ça pendant 22 ans. C'est-à-dire que le couple Louis XIII-Anne d'Autriche n'a pas eu d'enfant. Au bout de 22 ans, vous voyez déjà la symbolique du nombre aussi, 22, etc. Et de dire, tout y passe. Comme à l'époque on est très croyant, eh bien il faut prier, ben justement le ciel. Hein. On fait des dons au monastère pour que les moines prient, les saintes de l'époque, prier pour qu'un héritier. Il y a des saintes qui disent oui, j'ai eu des visions, il y aura vraiment un héritier. On peut pas vous dire l'année, mais c'est sûr que vous en aurez un. Ayez confiance, croyez. Et bon, Anne d'Autriche fait des pèlerinages, etc. Elle va voir justement à Poitiers le fameux sanctuaire de Sainte-Radegonde dont j'ai déjà parlé. La reine mérovingienne qui s'était retirée dans les ordres, etc., qui avait été canonisée par l'Église et qui était censée faire des miracles et tout ce qui s'ensuit. Et elle a suite de ça, eh bien, il y a eu un héritier mâle. Après 22 ans, la reine s'est retrouvée enceinte, et puis voilà, alors c'est le fameux Louis XIV, qui sera appelé à sa naissance Louis Dieudonné. Son vrai prénom, c'est Louis Dieudonné. Parce que Dieudonné, c'est-à-dire le cadeau fait par Dieu à la couronne de France, enfin, il y avait un enfant mâle. Et du coup, ben, bien sûr, le couple royal a dit, ben voilà, on peut plus faire autrement maintenant que d'honorer la Vierge qui est responsable. Et comble de coïncidence, Louis XIV va naître un 5 septembre, qui est le mois de la Vierge en astrologie. Alors bon, c'est extraordinaire. Et donc, emporté par son élan, Louis XIII va consacrer son royaume à la Vierge Marie avant même la naissance du bébé. C'est-à-dire 2 mois après, dès qu'on sait que Anne d'Autriche est enceinte, consécration du royaume à la Vierge. Et voilà comment c'est retrouvé dans notre pays. Mais vous voyez, ça se passe qu'en 1629, 1630, etc., le XVIIe siècle, d'avoir la France consacrée à la Vierge Marie. Bon, ce qui est assez extraordinaire en symbolique, en spiritualité, etc. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qu'on est consacré à toutes ces personnes-là. Et certains diront, mais alors pourquoi ça va si mal en France? Pourquoi c'est une telle catastrophe? Pourquoi c'est une telle horreur si on a tous ces avantages célestes-là? Bon, c'est une autre raison qu'on expliquera peut-être un peu après et dans le dernier épisode des choses, parce que comme ça va tellement mal pour notre pays, on se demande pourquoi si on a une telle protection. Voyez un petit peu. Alors, il se passe à l'époque aussi, on est toujours début du XVIIe siècle, donc on est dans la première moitié du XVIIe siècle, sur le plan ésotérique, deux choses très importantes et qui montrent que la tradition prémondiale veille quand même à quelque chose dans le pays. Donc, c'est l'histoire de Saint Vincent de Paul et de la Compagnie du Saint-Sacrement. Donc, à l'époque, il y a un religieux très, très célèbre, Saint Vincent de Paul,
Il va fonder une compagnie, donc qu'on appelle compagnie du Saint-Sacrement. Le but officiel de cette compagnie, on dirait aujourd'hui une société, s'occupe donc de relancer un petit peu la croyance en France. Donc de redynamiser ce qu'on pourrait appeler l'évangélisation, la religion, parce que bien sûr les guerres de religion ont beaucoup ébranlé les Français. Les protestants ont dit certaines choses, ils ont critiqué la Bible, ils ont critiqué le pape, certaines choses pouvaient être crues, hein, bien entendu, hein, quant aux critiques de la Bible. Bon, par exemple, les fameuses indulgences que Luther dénonçait, les indulgences, c'était que le pape faisait payer des remises d'années de purgatoire. Donc, on disait, voilà, vous avez péché, vous allez passer un siècle au purgatoire, mais vous aurez peut-être la moitié moins si vous faites un don à l'Église. Alors, les personnes à l'époque très croyantes disaient, bon, alors, l'Église s'était enrichie énormément par ce biais-là. Les gens avaient tellement peur de prendre trop d'années de purgatoire, on ne sait pas comment elles étaient calculées d'ailleurs, qui faisaient toujours des dons, qui payaient quelque chose. Et Luther a dit, bon, bah, d'accord, vous faites ça, mais la querelle est partie de là, hein. Prouvez-moi que dans les évangiles, on dit que le pape a le droit de faire ça. Forcément, vous trouvez ça nulle part, puisque c'est le pape lui-même qui avait décidé ça, hein, avec les bénéfices, il avait fait rénover Saint-Pierre de Rome et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est pas dans les évangiles. Le pape répondait toujours, oui, mais comme je suis lieutenant de Jésus-Christ sur la terre, j'ai le droit de décider que. Ah, donc, c'est facile, gros, ça. Voilà. Hein, donc, en gros, la querelle porte sur quelque chose de très simple. La décision que le pape prend parce qu'il est pape, peut prendre parce qu'il est pape, et pour les rigoureux, si vous voulez, les orthodoxes disent, est-ce que c'est biblique ou évangélique ou pas? Bon, la suite, il y avait eu le clash, je vous passe le détail du pourquoi des guerres de religion. Donc, les Français qui étaient peut-être plus ou moins, disons, intéressés par la querelle théologique, pouvaient se dire, bah, ça ébranle quand même un peu ma foi, qui a raison, quoi, en gros. Alors, comme on était revenu à une dominance totalement catholique, bien entendu, sous Louis XIII, mais il y avait des choses à corriger, à remettre en place, etc. Donc, cette société voulait relancer la foi, sous-entendu, au catholicisme. Voulait en même temps mettre fin à la querelle religieuse pour l'unité, pour que le Christ ait qu'une seule tunique sans couture. Hein. Ça appelle ça la tunique sans couture du Christ, c'est-à-dire un seul christianisme. Et puis, en même temps, ben, faire pour passer peut-être auprès de la population, beaucoup d'aide aux pauvres, beaucoup de comment dire, de soulagement des misères humaines, comme on pouvait dire, les malades, trucs comme ça. Alors ce fameux Saint Vincent de Paul qui était considéré comme le chef de cette société, de cette compagnie, a été très connu dans l'histoire, il est très connu dans les livres d'histoire pour l'histoire des galères. Parce qu'à l'époque, on ramait sur les galères, c'est-à-dire les vaisseaux royaux, parce que c'était du temps de la marine à voile, bien entendu, il y avait des voiles, mais alors qu'il n'y a pas de vent. Alors, il faut ramer. Donc, voilà, alors, il y a personne qui était volontaire pour aller ramer sur les galères, tellement c'était dur, bien entendu, on vivait pas très longtemps, il y avait des mauvais traitements, les gardes fouettaient ceux qui ramaient pas assez fort, pas assez vite, bon, il y avait un traitement assez indigne, on était à fond de cale au moment où on ramait pas, etc., etc., donc il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de mortalité, et forcément, on prenait les prisonniers. C'est-à-dire, au lieu de mettre les gens en forteresse, certains y étaient, parce qu'ils étaient inaptes à ramer, ou alors ils étaient nobles, donc ils n'allaient pas ramer sur les galères, les autres allaient ramer sur les galères. Et donc, il y avait une mortalité assez importante. Et alors, l'administration pénitentiaire avait trouvé une drôle de combine. C'était de comme par hasard, ne pas connaître la date de libération du prisonnier. donc quand un prisonnier disait mais ça fait 4-5 ans que je rame là, ou 10 ans, bon je devrais être libéré, il n'y avait plus la date, il n'y avait plus le papier, il n'y a pas de registre. Et alors il y avait des registres, mais comme par hasard on les avait pas. Il y avait des papiers avec la condamnation du tribunal à disons 10 ans de galère, mais comme par hasard on les retrouvait pas, c'est-à-dire qu'au moment de libérer la personne, ben, comme on n'avait pas beaucoup de remplaçants et qu'il y avait une trop grande mortalité, on trouvait toutes les excuses pour le garder. Et Saint Vincent de Paul, dans son grand cœur, dans son idée de faire de l'humain, du social, etc., s'en était aperçu, parce que lui-même était aumônier des galères, en tant que fonction. Donc, il avait trouvé une combine, c'était que sa compagnie, ben, allait dans tous les tribunaux, prendre les papiers des condamnations et donner
un recopiage de condamnation aux prisonniers pour dire que vous pouvez exiger d'être libéré à telle date. Ça avait fait un foin pas possible dans l'administration. Mais alors, très grande curiosité, Louis XIII, Anne d'Autriche, l'aimait bien. Alors qu'il était un peu confinant d'Anne d'Autriche et un peu dans les idées du roi. Hein, donc, puisqu'il était à la fin confesseur royal. Hein, donc Saint Vincent de Paul n'est pas hein, disons quelqu'un de d'anodin. Hein, on voit même, je crois, il y a quelques dizaines d'années, ça remonte, il y avait eu un film fait sur Saint Vincent de Paul, et je me souviens d'une scène où il assistait en tant qu'aumônier au travail des rameurs, et puis alors il y avait des gardes qui fouettaient sa rameur parce qu'il travaillait pas en cadence, il y en a un qui était à moitié écroulé sur sa rame, et ouais, Saint Vincent de Paul qui prend sa place. C'est-à-dire, il va ramer lui-même à la grande stupeur des commandants, capitaines, etc. Bon, ils disent, laissez-le faire le fou un moment. Il avait ramé un bon moment, avant d'être abassé, épuisé, etc. Donc ça, c'est Saint Vincent de Paul. Donc, une personnalité assez extraordinaire. Mais alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, donc, de la compagnie du Saint-Sacrement, c'est que c'était dirigé par un cénacle invisible et fraternel. Donc, en gros, il y avait un comité directeur, si on peut appeler ça. Le chef officiel était Saint Vincent de Paul, mais il y avait derrière un cénacle invisible et fraternel. C'est-à-dire, en gros, un groupe secret qui gouvernait la compagnie du Saint-Sacrement extérieur. Et dans les trois chefs secrets, il y avait toujours Saint Vincent de Paul, à la fois chef extérieur, chef intérieur. Il y avait aussi un deuxième personnage qui s'appelle Nicolas Pavillon et il y avait un personnage qui s'appelle Jean-Jacques Ollier. Alors, quand on a eu ça, on a eu un petit peu l'idée comme les Templiers où il y avait un ordre extérieur et un ordre intérieur. On dit toujours que l'ordre des Templiers et des moines soldats était le groupe de chevalerie ou des militaires visibles, mais qu'il y avait derrière l'ordre de Notre-Dame de Sion, l'ordre secret du Temple, avec des grands maîtres secrets, des grands maîtres visibles, au début les mêmes, qui étaient dans les deux organisations, après séparés, une hiérarchie visible, une hiérarchie invisible, avec un système de pupérus, hein, un groupe secret qui émane un groupe visible. Et là, on avait la même chose, mais avec une compagnie du Saint-Sacrement qui est très catholique, avec normalement rien de templier. Là, ça a paru très curieux, déjà le titre, Cénacle invisible et fraternel, et les trois personnages qui sont pas n'importe qui. Si on voit bien Saint-Vincent de Paul, pas n'importe qui. Nicolas Pavillon, qui est l'évêque d'Alette. Alette, c'est ça, la route de Rennes-le-Château. Et Jean-Jacques Ollier était fondateur de l'église et séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Et Saint-Sulpice étant lié à l'histoire de Rennes-le-Château aussi. On s'est demandé qu'est-ce que ces trois personnes pouvaient bien faire ensemble là-dedans, parce que visiblement il y en a deux sur trois qui jouent, et peut-être même Saint Vincent de Paul lui-même qui joue un rôle occulte, hein, et Saint Vincent de Paul lui-même, hein. Alors donc ça a paru très très curieux, et forcément les chercheurs sont lancés là-dedans pour dire qu'est-ce qui retourne de ce genre de choses. Et alors on a une histoire très très étrange, c'est que bien sûr dans sa jeunesse, le futur Saint Vincent de Paul, qui est pas encore saint du tout, qui est Monsieur Vincent, bon, est très très bon élève au séminaire, il est ordonné prêtre très très jeune, c'est un sujet modèle, on sait qu'il va avoir un avenir extraordinaire, vous voyez comment il a fini, un confesseur du roi, etc. Et alors il y a un moment de sa vie, il disparaît pendant 2 ans. Et donc, il était en relation avec un monsieur qui s'appelle Monsieur de Comé, puis soudain, il dit qu'il va s'en aller faire un tour quelque part, paf, pendant 2 ans, n'a rien du tout. Et puis, 2 ans après, ce Vincent de Paul a écrit à ce Monsieur Comé, ben voilà, j'étais pas là pendant 2 ans, il lui écrit une lettre, il raconte un peu ce qu'il a fait. Alors, je simplifie beaucoup, beaucoup, hein, mais bon, il avait emprunté de l'argent, prêté de l'argent à quelqu'un qui ne lui avait pas rendu, il achète un cheval pour poursuivre cette personne pour réclamer son argent, il le retrouve à Marseille, la personne lui rend son argent, ensuite, on ne sait pas ce qui se passe trop dans Marseille, mais il s'embarque sur un bateau en Méditerranée, le bateau est attaqué par des pirates, les marins sont tués, les passagers sont faits prisonniers, les prisonniers sont vendus comme esclaves en Afrique
d'Afrique du Nord, en particulier à Tunis, dont le fameux Saint-Vincent de Paul lui-même, pas encore Saint-Vincent, mais bon, voilà, et vendu à un personnage qu'il revend à un autre personnage, qu'il revend à un personnage, et l'un de ces personnages est un vieil homme qui est un alchimiste, donc qui est à la recherche de la pierre philosophale depuis des années, qui a trouvé le secret de la fabrication de l'or, et donc, Vincent de Paul est employé à son service, mais le sultan local de Tunis apprend que ce monsieur fabrique de l'or et le fait kidnapper, etc. Et puis, Vincent de Paul doit s'en aller et il est récupéré par un autre pirate qui lui est français, qui habite dans la région de Nice, qui va le prendre à bord d'un esquif, d'un voilier. Alors, il est bien content parce que c'est une occasion, puisque son maître a été arrêté, de pouvoir s'enfuir et partir avec cette personne qui a trois femmes. Alors, curieusement, il y a une femme chrétienne, une femme musulmane, une troisième femme, et la femme musulmane, pendant la traversée, qui sait pas trop quoi faire, ça vient de la femme musulmane, c'est très curieux, demande à Vincent de Paul de chanter des cantiques, de chanter quelque chose. Et il paraît qu'il chante si bien qu'elle est totalement charmée, qu'elle retourne à la foi chrétienne et qu'elle dit à son mari, le chef du bateau, t'as eu tort d'être musulman parce que, bon, tu vois pas ça comme c'est beau, la religion chrétienne, il paraît que Saint Vincent de Paul aurait fait la conversion. Et résultat, ils aboutissent à Aigues-Mortes. Voilà, ils débarquent. Et cette histoire est racontée par Saint Vincent de Paul par écrit au fameux monsieur de Comé pour dire, voilà, je me suis absenté pendant deux ans, voilà la raison. Sauf que quand on lit la lettre, on est stupéfait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça? Ça semble tellement rocambolesque, tellement invraisemblable, tellement hallucinant, qu'on dit, soit il a tout inventé, mais pour quelle raison? En gros, il fallait qu'il justifie qu'il n'ait pas donné signe de vie pendant deux ans, il fallait bien qu'il invente un truc. Un scénario pareil, ça dépassait l'entendement. Alors, on a fait une enquête, forcément, j'ai dit, qu'est-ce qu'il ment? Il ment pas à l'époque. Hein. Et puis, on s'est dit, bon, à Aigues-Mortes, on n'a eu aucun témoignage de quelqu'un qui était musulman, qui était converti à la foi chrétienne, parce qu'en général, ça marchait un peu dans l'autre sens. On n'a pas du tout de débarquement de telle ou telle personne, on n'a pas d'attaque de pirates. Bon, en gros, il aurait tout inventé. Sauf que quand on lit le texte avec des yeux un petit peu différents, le message est crypté. En clair, Saint-Vincent de Paul raconterait une initiation. C'est-à-dire, errer sur la mer, être pris dans un bateau, aller à Tunis, là-bas contacter un alchimiste. Pourquoi justement un alchimiste? Pour dire, un chef de plantation, un truc comme ça. Là, visiblement, il y avait des allusions très, 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 très curieuses, quoi. À l'époque, aller à Tunis, ça voulait dire aller contacter des maîtres spirituels musulmans. En gros, on allait à Tunis, c'était pas pour les affaires et pour les voyages, pour contacter des maîtres soufis. Alors, on s'est dit, quel contact pourrait, forcément que ça pouvait être secret, parce que si Vincent de Paul a contacté des maîtres soufis, les soufis, c'est un des mystiques, pour les musulmans, des initiés, etc., on se dit, on vit sur roche, quoi. Et en clair, le résultat des courses, pour pas passer trop longtemps là-dessus, est-ce que Vincent de Paul, tout super catho qu'il était, n'aurait pas suivi une initiation? Même au soufisme. Ou à l'alchimie. Etc. Et de fil en aiguille, on aurait pensé que ce fameux cénacle invisible et fraternel cacherait secrètement une société secrète. Et que ce serait une société secrète néo-templière, c'est-à-dire en gros une résurgence ou une survivance de l'ordre du temple. Plus ou moins secret, appelé autrement un truc hermétique, alchimique, etc., branché sur la tradition primordiale et voulant maintenir le haut niveau spirituel en Occident, constatant la dégradation inouïe des temps depuis la Renaissance. Alors là, ça explique à la fois bien des choses. Bien sûr, on n'a aucune preuve historique réelle, comme je dis toujours. L'ensemble des coïncidences est tel que on suppose que, mais sans preuve matérielle réelle, classique. Donc du coup, ce Saint-Vincent de Paul et sa compagnie du Saint-Sacrement seraient dans la tradition pour empêcher, non pas remédier, empêcher définitivement la décadence cyclique des temps parce qu'elle est inéluctable, mais la retarder, la contrôler, avertir les gens, maintenir le peu de tête hors de l'eau qu'on pouvait faire, etc. Alors ce serait ça un peu le secret
de cette compagnie du Saint-Sacrement. Et comme à la même époque, parce qu'on est toujours dans les années d'après la mort d'Henri IV, donc 1610, 1614, 1620, etc., dans l'avènement de l'ordre des Rose-Croix. C'est-à-dire, c'est l'époque où les Rose-Croix sont apparus. En 1616, 1618 en Allemagne, 1623 en France, eh bien, nous, grands maîtres de la Rose-Croix, faisons séjour en votre ville et allons vous informer de telle ou telle chose. Et on a révélation qu'un ordre secret existe, puisqu'on ne connaît pas du tout les maîtres, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas ce qui s'ensuit. Les livres révélés sont fictifs, hein, qu'on dit les noces chimiques de Christian Rosenkreuz. On voit bien que Christian Rosenkreuz est une appellation symbolique, ça veut dire chrétien Rose-Croix. Donc, en fait, la véritable personne est Valentin Andréae, qui a pris le pseudonyme Christian Rosenkreuz. Hein, donc, il y a un livre d'alchimie, noces chimiques, après il y a Fama Fraternitatis, hein, la renommée fraternelle, et les Rose-Croix sont connus comme ça, pour donner une vision nouvelle du monde, très très universaliste, très spiritualiste, etc. Et donc, c'est la même époque, curieusement. Compagnie du Saint-Sacrement, c'est dans ces années-là. Consécration du royaume de France à la Vierge Marie, c'est 1629-1630. Et en gros, les Rose-Croix, c'est 1614-1623. Et ils seraient restés à Paris et dans les villes occidentales jusqu'en 1648. En 1648, la légende dit que les grands maîtres Rose-Croix sont partis en Inde. Mais en laissant plein de groupes dits rosicruciens continuer jusqu'à aujourd'hui, la diffusion de ce qu'on appelle le rosicrucianisme, les grands maîtres, les supérieurs inconnus, grands, grands chefs mondiaux, seraient repartis en Inde. Et quand on dit d'Inde, ça veut dire l'Agartha, le centre spirituel mondial. En gros, alors voyez le contexte. Hein, ça va très loin. Ça va très, très loin, quoi. Voilà, donc, bon, on est donc dans la première moitié du XVIIe siècle. Donc, Richelieu est décédé en 1642, Louis XIII en 1643. Et voilà, ça s'arrête un petit peu là. Mais cette compagnie du Saint-Sacrement va continuer. Après leur mort, elle continue un petit peu. Mais après, on passe sous Louis XIV. On passe sous Mazarin, notre cardinal, et puis Louis XIV, qui, eux, n'aiment pas du tout cette compagnie. Ça leur déplaît souverainement, ce machin, qui suppose qu'il y a quand même quelque chose de secret derrière, et ils vont tout faire pour la faire capituler. Alors, quand il y aura plus Saint-Vincent de Paul, bon, ben, ça va être arrêté en 1660. Alors, voyez, on est bien plus tard, la société va être dissoute. Et en 1666, alors c'est quand même très symbolique, le 1 plus 666, 1666, Louis XIV interdira toute initiative pour créer des groupes de ce genre. C'est-à-dire, on n'aurait plus jamais le droit de créer une sorte de compagnie du Saint-Sacrement. Ce type de société sera interdit de création. C'est dire, hein, même si c'était purement humanitaire ou autre. Hein. Alors voilà, on en est là. Donc, quand se termine le règne de Louis XIII, Richelieu, on en est là. Hein. Alors, vous voyez que c'est très étrange. Quand même comme histoire, et on va passer après donc au règne de Louis XIV, alors bien plus célèbre que Louis XIII, bien plus grandiose, hein, bien entendu, parce que Louis XIV a régné 54 ans, donc quand on est 54 ans au pouvoir, il s'empêche pendant son règne, on en fait des choses, etc., on a le temps de revenir, hein, comme on dit. L'image d'Épinal du roi de France, Louis XIV, c'est le symbole, quoi. C'est la monarchie absolue, archi-absolue, c'est le roi vraiment dans toute sa splendeur, c'est les fêtes grandioses de Versailles, c'est le souverain quasiment d'Europe, hein, le victorieux de tout un tas de choses, hein, et donc connu comme roi soleil. Bon, mais roi soleil, c'est pas du tout parce qu'au début, se comparait à un soleil. Enfin, on a dit que roi soleil, c'est le soleil. Mais au début, c'est parce que dans une fête, quand il était jeune, qu'il y avait eu un bal masqué, il s'était déguisé en soleil. C'est-à-dire, il avait un masque avec des rayons comme le soleil et une tenue dorée comme soleil. Donc, on a dit, ah ben, c'est le roi soleil. Et l'appellation est venue de là avant que ce soit de rayonner comme le soleil dans le cosmos au milieu des autres astres, des autres souverains beaucoup plus inférieurs. Hein. Français entre en Europe moins brillant que le monarque français, hein, bien entendu. Donc forcément que le roi qui a été le plus longtemps au pouvoir de tous les rois de France et qui a eu une brillance pareille, un règne pareil, et bien entendu a dans l'histoire un renom particulier par rapport à ceux d'avant et aux deux Louis XV et Louis XVI qui vont suivre. Alors forcément ici ce soir on va pas refaire toute l'histoire de Louis XIV.
c'est trop long, 54 ans de règne, c'est trop long, des dizaines de batailles livrées, des guerres de toutes sortes, tout ce qu'a fait Louis XIV en administration, autre en particulier, malheureusement, de révoquer l'édit de Nantes, hein, 1685, Louis XIV qui a dans le nez aussi les protestants, eh bien, annule l'édit, fameux édit d'Henri IV. Bon, les protestants ne sont pas massacrés, on ne fait pas de nouveau une Saint-Barthélemy, mais ceux qui se sont persécutés vont s'en aller aux Pays-Bas, en Angleterre, etc., et en Amérique. Hein. Alors, de quoi on va parler là, plutôt des choses qui sont surprenantes dans le règne de Louis XIV, hein, ce qu'on pourrait appeler des énigmes. D'abord son nombre, hein, Louis XIV, bon, on va dire, bon oui, ben, c'est le 14e du nom, c'est 14, mais curieusement, comme il y a eu 18 rois qui se sont appelés Louis, jusqu'à Louis XVIII, on a assimilé en ésotérisme les rois aux lames de tarot. Donc en gros Louis Ier c'est le battleur, voilà Louis XI ben c'est la force et c'est un roi très très dur, hein. Fameux Louis XI qui enfermait ses prisonniers dans des cages de fer. Bon Louis XII c'est le pendu, Louis XIII alors bon ben c'est la mort, la carte de la mort qui est même carte de la transition, de la transmutation, etc. Le nombre 13 qui comme par hasard est le nombre de Marie, eh bien c'est sous Louis XIII qu'on a fait la consécration du royaume de Marie. Encore un hasard. Encore un clin d'œil, il y a encore une coïncidence. Louis XIV, bon, c'est la carte de la tempérance qui symbolise dans les tarots, quand on tire cette carte-là, la patience, voilà, l'organisation, la lenteur, mais la maîtrise. Donc, ben, Louis XIV, ça lui correspond, hein, c'est la carte où une personne qui verse une cruche avec de l'eau, et le mot tempérance dit bien ce que ça veut dire. Hein. Alors, bien sûr, on peut mettre 14 à toutes les sauces. Hein. C'est 14 stations du Christ, c'est une demi-face de la Lune, c'est les 14 morceaux d'Osiris qui ont été coupés en morceaux, 14 ceci, tout plein de symboliques 14. Et comme Louis XIV arrive au pouvoir réellement en 1661, parce qu'avant, il y avait eu régence d'Anne d'Autriche parce qu'il était trop petit, puis Louis XIV a été en âge de gouverner par lui-même, voilà, 1661, vous voyez, de 1661 à 1715, règne de Louis XIV, si vous additionnez les nombres de 1661, vous avez 14. 1 plus 6, plus 6, plus 1, etc., etc. Donc, il y a une symbolique des nombres. Après, et l'âme de tarot, après, si on continue Louis XV, c'est le diable, la carte du diable, et Louis XV a été quelque peu débauché sur les bords, un petit peu de diablerie hein, dans la cour, etc., etc. Et Louis XVI, c'est la tour foudroyée, et c'est le roi qui passe à la guillotine. Donc, il y a encore une logique très claire pour ce genre de choses. Bon, après, il y a Louis XVIII, etc. Louis XVII, bien, c'est le petit enfant de Louis XVI qui est mort au temple. Donc, c'est l'étoile et l'étoile est remontée au ciel, etc. Donc, on a une symbolique. On devrait aller jusqu'à Louis XIX, s'il y avait un futur roi de France. Et puis après, alors, les 20, 21, 22, dans les lames des tarots sont des lames spéciales parce qu'il y en a une, c'est le jugement, l'autre, c'est le monde et l'autre, c'est la transition, c'est le mat. Donc là, ça correspondrait à des phases autres hein, de rois. Alors c'est très curieux comme histoire, mais au moins pour la plupart des rois ça correspond. Alors il y a d'autres énigmes sous Louis XIV. Il y a le mystère de sa naissance, donc on a vu tout à l'heure le mystère de sa naissance, réclamé à coups de prière, de dons, de sollicitations du ciel comme des saints et des saintes, la naissance d'un enfant qui arrive soudain comme par miracle après 22 ans, mais le mystère de la naissance reste toujours, parce qu'il y a bien sûr ceux qui ne croient pas à l'intervention d'une quelconque Vierge Marie pour que Anne d'Autriche soit enceinte. Parce que s'il n'y a pas de phénomène surnaturel, comment on explique la naissance? Le roi ne serait pas le père? Alors, comme à l'époque, il n'y avait pas d'hormones, de bébés éprouvettes, de trucs comme ça, ben, la reine qui n'arrivait pas à avoir l'enfant, ben, soudain, on en a un. Alors, comme l'enfant est réel, parce que la reine de France a couché en public, on ne peut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui soit sorti de son ventre. Mais alors, dans ce cas-là, si elle n'avait pas d'enfant avant, peut-être que la stérilité était de Louis XIII. Du coup, maintenant, il ne l'est plus. Alors, on a jasé beaucoup sur cette situation. On s'est dit, ben, la reine est enceinte, mais de qui? Peut-être pas forcément de Louis XIII. Alors, tout y est passé. Mazarin, son premier ministre,
tutant Luther Regent. Buckingham, l'ambassadeur anglais ou le prince anglais, etc. Celui qui trempe dans l'histoire de D'Artagnan et les trois mousquetaires, c'est lui, Buckingham. Hein. Oui. Voilà, donc qui a emporté les ferrets de la reine, dans l'histoire. Puis soudain, le roi qui a été mis au courant par les services secrets de Richelieu qu'elle a plus ses ferrets, c'est des bijoux, hein, dit ben, madame, j'espère qu'à la cour, prochaine fête, vous arborerez les ferrets que je vous ai offerts. Mon Dieu, Buckingham est parti avec, il faut envoyer D'Artagnan les rechercher. Enfin, c'est toute l'histoire des trois mousquetaires, c'est hallucinant. Donc lui, un amant de passage, le comte machin, etc. Enfin, on a donné une liste assez invraisemblable de personnages ayant pu avoir rapport avec la reine. Si c'est prouvé, vous ne l'avez jamais prouvé, hein, mais imaginez les témoignages et les choses qui le prouveraient. Hein. Un arbre généalogique secret, un papier secret attestant les choses, la dynastie des rois de France suivante est fausse. Puisque le roi ne serait pas le père officiel de sang royal du petit Louis XIV, de où sortirait alors Louis XIV, de quel père étranger? Si en plus c'est étranger au sang royal, à la famille royale, alors là, l'horreur, donc il y aurait une déviation. Est-ce qu'il y avait un secret de ce genre qu'il fallait à tout prix cacher pour que, on retrouve en forteresse un tas de gens absolument incroyables? Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Bon, vous voyez. Alors, justement, l'un des cas de ce genre, c'est le fameux masque de fer. Alors, l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de France, c'est le fameux masque de fer. Ça se passe sous Louis XIV, quoi. Il y a un prisonnier qui est emmené par un monsieur de Saint-Mars, qui est son gardien officiel, qui est trinque-ballé de forteresse en forteresse. Il passe dans l'endroit du Nord à Pignerol, forteresse absolument imprenable de Pignerol, va sur les îles de l'Hérens et est remis à Pignerol, remonte à la Bastille, etc. Et ce personnage ne devait jamais dire son nom en public sous peine de mort. Donc, dès qu'il prononçait « je suis un tel », paf, il serait abattu sur le champ. Donc, le gars le savait, pouvait pas dire son nom. Il y avait des murs extrêmement épais dans ses cellules pour s'y crier « je suis un tel » que les gardes n'entendent pas. Et donc, quand il était sorti, pas dans sa cellule, bien sûr, mais quand il était sorti, avait un masque, soi-disant un masque de fer. Pour pas qu'on le reconnaisse. Donc, il fallait pas qu'il dise son nom, pas être connu. Alors, ça devait être quelqu'un de très, 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 très important. Oui, pour qu'on ne le tue pas. Alors voilà, on lui impose tout ça. Alors voilà, parce que ça devait être quelqu'un qui a été, je sais pas combien de dizaines d'années emprisonné, qui avait toujours un luxe de précaution pour le transporter, même avoir des gardes italiens parlant pas un mot de français, pour pas qu'il puisse dire quelque chose à quelqu'un. Mais alors, qu'est-ce qu'il devait bien avoir comme secret? Donc un prisonnier absolument exceptionnel. Et donc, alors forcément, là, ça refait jaser encore une fois. Tout y est passé. Le fameux surintendant Fouquet qui sera arrêté après. On verra que c'est pas du tout la même personne et que c'est pas possible, parce que Fouquet restait quasiment toujours au même endroit. Mais à un moment, ils ont été à Pignerol tous les deux. Bon, ils étaient à Pignerol aussi. Etc. Alors, tout le monde a brodé les thèses, hein, il y en a tout plein. Un frère jumeau de Louis XIV. Alors, dire forcément, si j'ai un frère jumeau, ben, il a autant de prétentions au trône que moi, ben, il faut mieux, le mettre de côté. La version filmographique. Alors, quelqu'un qui connaissait un secret d'État absolument inimaginable. Alors, aux dernières nouvelles, après les enquêtes des historiens, mais là, l'histoire officielle, ce serait un monsieur qui s'appelle Eustache d'Angers ou Eustache d'Auger, qui aurait trempé dans une affaire d'espionnage, une affaire secrète, ce qu'on appelle la double diplomatie. À cette époque-là, mais sans doute encore 100 fois pire aujourd'hui, il y avait une diplomatie officielle avec des ambassadeurs et des plénipotentiaires, et puis il y avait au niveau des services d'espionnage une diplomatie secrète. Et quelquefois, on défendait officiellement tel accord dans un traité, et en douce, on proposait l'inverse dans la diplomatie secrète. C'est-à-dire, en gros, si la partie officielle ne marchait pas, on avait en sous-main proposé autre chose, un autre arrangement, etc. Et quand la partie officielle marchait, ben, on pouvait arrêter ou éliminer la partie qu'on avait négociée secrètement. Imaginez qu'officiellement, on soit contre l'Angleterre, mais qu'en secret, on soit pour un rapprochement et pour.
on pouvait pas le dire aux autres États alliés, etc. Alors, le type qui faisait les négociations, lui, il savait. Alors, est-ce qu'il y en a un qui aurait trempé dans un truc de ce genre, qui aurait su un ultra secret qu'il fallait absolument pas révéler? Paf, coffret. Mais si c'est ce monsieur Eustache d'Augier ou d'Angers, pourquoi un luxe de précaution pareil? Pourquoi il devait pas dire son nom? Et pourquoi, si c'est un inconnu, enfin, presque inconnu, hein, et pour quelqu'un de sang royal ou de la noblesse, ça a probablement été simplement abattu, un accident, hein, il s'y vit arrivé, l'empoisonnement, le machin, la liquidation. Là, le maintenir pendant tant d'années avec cette histoire de, entre guillemets, de masque de fer, parce que à un moment, c'est devenu un masque de velours, parce que la personne avait du mal à respirer, était gênée par ce masque de fer, on lui avait mis un masque sur le visage, un masque de velours, donc le masque de fer est devenu un masque de velours au passage. Hein. Et donc, on ne sait toujours pas l'identité de ce genre de choses, et on suppose que comme l'affaire était tellement grave, parce qu'on ne comprend pas qu'un individu lambda est un luxe de précaution de prisonnier pareil, avec un marquis de Saint-Mars s'attacher quasiment à le quarter de près, être mis dans des forteresses, être masqué, pas avoir le droit de dire son nom, pas pouvoir crier quelque chose à quelqu'un, pas parler en public, et même à d'autres prisonniers, avoir rien le droit de dire. Donc, et puis alors pas éliminé physiquement. Alors, l'enquête est assez extraordinaire. Le résultat des choses défie l'entendement. Bien entendu, on va retomber dans l'ésotérisme le plus total. C'est qu'en fait, ce personnage serait Henri II de Lorraine, et qui est le petit-fils du grand duc de Lorraine, Henri de Guise, qui était le chef de la Ligue catholique du temps des guerres de religion, qui est plus ou moins été derrière la Saint-Barthélemy, et qu'on appelle le balafré, donc, parce qu'il y avait une grande balafre. Et donc son petit-fils, le duc de Lorraine, serait le masque de fer. Alors qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans et qu'est-ce que vient faire la Lorraine là-dedans? Eh bien, il faut recouper ce que je vous ai dit tout à l'heure, les doutes sur la naissance de Louis XIV. Est-il vraiment fils de Louis XIII? La régence d'Autriche, qui est un peu difficile à manier, parce que quand c'est une femme qui fait la régence, elle peut pas d'ailleurs régner, donc elle ne peut faire que des régences, hein, comme Catherine de Médicis et la d'Autriche. Il y en a toujours parmi les grands et parmi des comploteurs qui profitent de la situation pour essayer de s'attaquer à la monarchie. Et alors que vient faire un duc de Lorraine là-dedans? Et quand on pense au duc de Lorraine, on pense à un Godefroy de Bouillon qui a été duc de Lorraine et qui a, bon, bien sûr, roi de Jérusalem et tout ce qui s'ensuit, mais qui a dans les veines un pur sang mérovingien. Pour rappeler quelques bonnes choses, hein, Godefroy de Bouillon, c'est 1099. Prise de Jérusalem devient roi de Jérusalem, et comte de Bouillon, duc de Lorraine, comte de Boulogne-sur-Mer et tout ce qui s'ensuit, mais héritier direct de dynastie mérovingienne. Donc on peut supposer que les ducs de Lorraine l'étaient aussi, et qui dit mérovingien dit cette histoire de la reine de château. Dit le fameux Dagobert II assassiné justement à Stenay en Lorraine. Son fils et toute la famille exterminée, mais le petit-fils bébé sauvé, envoyé dans le Razès à reine de château, faisant une dynastie mérovingienne survivante. Et donc, il y aurait, comme on le raconte toujours, un roi secret issu de dynastie des Mérovingiens, concurrente et même prioritaire sur la dynastie officielle de roi de France et sur les Bourbons. Donc, dès qu'on peut trouver une faille dans la lignée officielle, eh bien, le prétendant secret. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont cru que c'était la bonne occasion, avec ce doute sur la naissance et surtout d'attendre 22 ans en héritier pour se repointer? Mais nous, on est la vraie dynastie de Mérovée qui vient en héritage et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, on doit avoir le pouvoir. Alors, est-ce que le gars se serait placé, aurait prétendu quelque chose? Ça serait venu aux oreilles de Louis XIV et il était temps de le coffrer avant qu'il ne soit trop tard. Du coup, c'est un prisonnier de marque. Parce que si c'est un duc de Lorraine, on peut pas lui le traiter comme un va-nu-pied, bien entendu, parce que ça déclencherait une guerre avec la Lorraine et tout ce qui s'ensuit. Et en même temps, ben forcément, si c'est vrai, je dis si c'est vrai, hein, je vous certifie pas que cette histoire est exacte, bien il doit posséder quelques secrets, parce que si le gars il se prétend le vrai roi de France, il doit avoir des arguments.
Est-ce qu'il n'aurait pas des papiers, des archives, des trucs pour dire, ben, lui, c'est moi qui devrais être à la place de Louis XIV? Panique totale à la cour, bien entendu, panique de Louis XIV, vous êtes bien obligé de mettre le type hors d'état de nuire. Mais vous le ménagez en même temps parce que. C'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un de très très important, c'est quelqu'un qui a des secrets, peut-être que d'autres sont au courant, donc s'il lui arrive malheur, c'est mis sur la place publique, donc le pouvoir il se tient vachement carreau. Alors pour l'instant, on ne lui nuit pas, on ne le torture pas, on ne l'exécute pas, mais attention, il faut qu'il y ait absolument personne de chance qu'il existe, et donc ça s'expliquerait là. Mais du coup, vous retombez dans la fameuse histoire de Reine de Château. Va retomber sur les dynasties secrètes mérovingiennes, etc., etc., les prétentions au royaume de France. Alors, on va pas refaire cette histoire-là parce que c'est pas l'objet de ce soir, mais entre Rouen, la Normandie, Rennes-le-Château et Stenay, Lorraine, vous avez un beau triangle et les trois choses sont liées. Etc, etc, etc. À voir pour une prochaine fois. Une petite précision d'Audrey dans les commentaires, Michel, qui nous dit, il y a eu en 2011 des analyses génétiques réalisées entre des tissus de Henri IV et du sang séché de Louis XVI. Et apparemment, ils ont le même patrimoine génétique passant par les pères. Donc, on en conclut que Louis XIII serait bel et bien le père de Louis XIV. Et là, c'est l'analyse génétique qui parle. Mais même à l'époque, l'analyse génétique, ils ne connaissaient pas encore. L'analyse génétique n'existait pas. Donc, tous les prétendants pouvaient se prétendre X, bien sûr, avec l'analyse génétique, ça résout pas mal de problèmes. Hein. Certains ont prouvé aussi que le petit Louis XVII mort au temple, on disait que c'était pas vraiment lui qui était mort, il avait été remplacé par un autre, et puis on l'avait laissé s'évader, tout ce qui s'ensuit. Il y aurait un suivi génétique aussi. Hein. Donc, mais bon, mis à part ça, puisque ça c'est moderne, un prétendant secret au royaume de France ou un complot organisé par une bande X pouvait toujours profiter de l'occasion où à l'époque personne ne pouvait vérifier telle ou telle chose. Hein. Bien entendu. En tout cas, ça fait un foin pas possible parce que ce masque de fer, même Voltaire en a parlé, on était bien plus tard, c'était le siècle d'après, et puis bon, dans l'histoire, hein, on en parle jusqu'à aujourd'hui. Et puis donc, il y a la fameuse affaire Fouquet, puisqu'à un moment, on a cru que le fameux surintendant des finances, Fouquet, était le masque de fer, mais non, parce qu'à un moment, ils étaient prisonniers ensemble, et ça pouvait être la même personne. Et autre ayant trempé dans l'affaire, alors cette affaire Fouquet, c'est la grande affaire du siècle de Louis XIV, à part le masque de fer, hein, c'est que ce fameux surintendant des finances, déjà surintendant, avant que Louis XIV, en 1661, devienne roi officiellement, et alors ce grand personnage, un richissime, l'un des plus grands personnages du pays, bien entendu, après les gens de la cour royale, eh bien, a voulu épater Louis XIV, tout jeune roi, en disant, ben, je veux lui faire voir quelque chose de beau. Il l'a invité dans son château magnifique de Vaux-le-Vicomte, qui se visite toujours, un très très beau château, avec une fête absolument hallucinante pour impressionner Louis XIV, peut-être lui faire plaisir, peut-être beaucoup l'impressionner, sauf que ça fait l'effet inverse. Ce pauvre Louis XIV a très très mal pris la chose parce que Louis XIV ne concevait pas qu'on puisse être plus riche que lui. Alors forcément, cet étalage de richesse l'a gêné. Il a pris ça pour une atteinte à son orgueil personnel, son statut de roi, on ne pouvait pas lui faire un affront pareil. Bon, et donc il a pris avis de Colbert, le fameux Colbert, futur grand superintendant des finances aussi, pour détester ce Fouquet, comme c'est pas possible, sans doute pour prendre sa place. Et il dit, ben, sûrement pour avoir construit un château pareil, il doit détourner des fonds, bien entendu, des finances. Et donc du coup, paf, le lendemain, le Fouquet a arrêté, bien entendu, par le fameux D'Artagnan, d'ailleurs. Comme voilà, alors soudain, c'est le capitaine des gardes qui est envoyé arrêter Fouquet. Alors, bon, vous voyez que c'est un personnage pas si insignifiant que ça, ce D'Artagnan non plus. Et Fouquet va tranquillement à l'arrestation et se laisse arrêter sans protester, sans problème, parce qu'il croit que c'est un malentendu, puis il croit que vu son importance, dans 3 jours, il est libéré. Bon, sauf qu'il va être passé au tribunal. L'enquête va révéler détournement des fonds, abus, comme on dirait aujourd'hui, bien public et tout ce qui s'ensuit. Donc mise en son roi, forcément, puisque c'est l'argent du roi. Et puis donc condamné au bannissement et à la confiscation de tous ses biens. Bon, sauf que Louis XIV trouve pas ça normal du tout qu'il ait que ça comme condamnation. Et lui corrige la condamnation du tribunal en condamnant la prison à perpétuité.
Donc là, on a un cas de monarchie absolue, absolument, où le roi, mécontent d'une décision de justice, revient dessus. Passe-passe. En plus, voilà. En plus, tous ceux qui ne l'avaient pas beaucoup condamné ont eu leur carrière arrêtée. C'est-à-dire, ils n'ont plus eu de promotion, ils n'ont jamais rien fait. Et Fouquet, aussi, en prison à vie. Il n'est jamais sorti. Hein. Et quand on l'a libéré tout à la fin, eh bien, il est mort le lendemain. Il s'est arrêté dans une auberge, il a mangé. Il y en a qui disaient qu'il a beaucoup trop mangé parce qu'il y avait eu trop de privations. Donc, soudain, il a beaucoup trop mangé. Puis, il a eu un problème. D'autres disent qu'il a été empoisonné. Mais pas d'autopsie, pas d'acte de décès, etc. Bon, alors ça c'est l'affaire Fouquet. Alors, qu'est-ce qui est bien arrivé à ce Fouquet? Il peut y avoir d'autres explications qu'un simple truc de finance. Parce qu'il y a déjà eu des financiers qui ont détourné un peu de fonds, qui ont pu être arrêtés. On leur fait rembourser les sommes, on confisque leurs biens. Mais alors là, un truc de prison à vie. Donc, ça recache encore quelque chose. Qu'est-ce que Louis XIV pouvait bien avoir contre ce Fouquet? Alors, bon, il y a une histoire particulière, mais greffée sur autre chose. Hein. Donc, dans l'histoire aussi de Louis XIV, ben, il y a le fameux château de Versailles. Alors, Louis XIV, qui est un peu à l'étroit au Louvre, là, et aux Tuileries, ben, décidé. Puis alors, il aimait pas Paris, il aimait pas la population de Paris, il avait toujours peur de Paris, parce que dans sa jeunesse, il avait vu des émeutes, et c'était la Fronde dans sa jeunesse, donc c'est encore une sorte de guerre civile, il avait décidé de prendre ses aises au-delà de Paris, et de construire quelque chose de très très grand, parce que son idée c'était de faire venir tous les plus grands seigneurs du pays à Versailles, pour vivre, donc c'est un honneur hein, de vivre dans l'entourage du roi, mais pendant de ce fait il les avait sous la main. Oui. Il les surveillait au lieu de comploter je sais pas quoi dans leur province, eh bien ils étaient à Versailles, on leur donnait une fonction, une mission, une pension d'ailleurs, au passage pour leur train de vie et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça qu'il y avait des centaines, voire des milliers de courtisans à Versailles, plus tout le personnel. Donc, il fallait quelque chose de gigantesque. Et donc, on s'est toujours demandé, mais bon, d'où vient l'argent pour construire le château de Versailles? Alors, les réponses des historiens est claire, sur le budget, sur les impôts, taxer les gens à mort. Et donc, Louis XIV s'est construit un magnifique château, orgueil du monde, bien entendu, aujourd'hui avec. Mais bon, financièrement, il y a une bizarrerie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été à Versailles, si vous voyez le parc, si vous voyez les statues, si vous voyez les bassins, avec des milliers de kilomètres de tuyaux en plomb pour alimenter tous les bassins, des pompes pour prélever dans des rivières. Et puis après, il faut bien dire que quand c'est construit, il y a l'entretien du château. Parce qu'il faut bien nettoyer, laver les vitres, laver les glaces, refaire la toiture de temps en temps, tailler les haies dans les jardins. Et vous dites, bon, financièrement, c'est un gouffre immense. En gros, le budget de la France devait y passer. Hein, parce que il y a tout le personnel hein, qui sert aux cuisines, aux femmes de ménage. Et puis attention, Louis XIV n'a pas que ce château-là à entretenir. Il y a plein de châteaux royaux. Quand Louis XIV va à Fontainebleau, va à tel ou tel endroit, on réaménage le château parce qu'il arrive. Donc les châteaux ont aussi un entretien. Louis XIV a livré plein de guerres. Il avait une armée permanente de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, des vaisseaux de guerre. Il a fait creuser le canal du Midi. Le canal du Midi, c'est sous Louis XIV. C'est un travail gigantesque à l'époque. Hein. Chantier du siècle quasiment avec Versailles, etc., etc. Les dépenses de la cour, les fêtes et tout ce qui s'ensuit. Vous dites comment, même sur le budget de la France, qui est un pays assez riche, vous pouvez additionner tout ça, c'est plusieurs fois le budget de la France. Alors se pose une question. D'où vient l'argent qui ne peut pas être au budget, sinon tout serait passé. En fait, Versailles est inconstructible. Vous ne pouvez pas avoir l'argent pour construire un tel château, même sur plusieurs années, et son entretien postérieur, plus toutes les autres dépenses de toutes les guerres et de tous les autres châteaux. Alors, c'est là que ressort. Alors, d'où vient l'argent? Encore une fois, c'est cet immense secret. Mais d'où vient l'argent? Eh bien, là, on se rebranche sur Rennes-le-Château, encore une fois. Le fameux trésor de Rennes-le-Château. Voilà que. Alors là, c'est lié au fameux Nicolas Pavillon dont je parlais tout à l'heure. C'est un Nicolas aussi, un Nicolas Fouquet,
Nicolas Pavillon, peut-être que les deux étaient au courant des choses. Et comme ce fameux Nicolas Pavillon de la fameuse compagnie du Saint-Sacrement est évêque d'Alette près de Vérin-le-Château, on pense que c'est lui qui connaissait le secret. À la suite d'une histoire qui s'est passée par là, certains disent que c'est une légende, d'autres disent que c'est vrai. C'est l'histoire du berger Paris. Il y a un berger par là qui s'appelle Paris, qui a une brebis égarée, il la poursuit dans la montagne, il tombe dans une crevasse, il rampe dans un tunnel qu'il y a en dessous et trouve dans ce tunnel, eh bien, des émeraudes, des bijoux. Il collie un trésor inimaginable, il en met plein ses poches, en place autour du cou, puis revient, puis il dit qu'il a trouvé un trésor, tout le monde dit, ah bon, où, voilà, dans la montagne, etc. Forcément, ça vient aux oreilles des autorités, paf, le type, il est coffré. Et pour ceux qui sont plus ou moins dans le courant des choses secrètes de par là, se disent, bon, il a dû trouver une des cachettes des fameux, comment, histoires de trésors qui règnent. Le gars, on n'en entend plus parler, mais ça vient aux oreilles de l'évêque qui est, comme par hasard, le fameux Nicolas Pavillon. Alors, on pense à la chose suivante, on n'a pas de preuve, hein, mais qu'il y aurait une négociation de ce Nicolas Pavillon, Nicolas Fouquet, pour révélation de ce trésor et que Louis XIV, par ses services secrets, l'aurait su. En disant, bah, si vous avez trouvé une chose de ce genre, bah, ça me revient, je suis le roi de France. Alors, il y aurait une négociation, comme quoi il pouvait servir du trésor, mais qu'il n'allait pas tout prendre tout d'un coup, parce que sûrement il aurait tout dépensé. On lui en donnerait des morceaux, des parties. Et donc, on aurait envoyé des hommes de main chercher les bijoux, j'allais dire, pas les bijoux, ou autre chose du trésor. On les aurait entreposés à la basilique de Limoux, Notre-Dame de Marseille. Et Notre-Dame de Marseille, en convoi, là, tout à fait ce qui est officiel, etc., serait venu prendre possession de caisses, et serait financé Versailles. Donc ça aurait échappé au budget général, enfin une partie. Vous pouvez toujours mettre une ligne au budget général pour la comptabilité officielle au cas où quelqu'un voudrait vérifier quelque chose. Mais on n'a jamais eu non plus la véritable comptabilité de Versailles. Donc on a une histoire de ce genre très très particulière. Et donc on retrouve un petit peu les mêmes. Alors comme vous retrouvez la Compagnie de Saint-Sacrement, dont l'un des trois principaux personnages était Nicolas Pavillon, et le troisième, c'était Jean-Jacques Ollier qui dirige le séminaire de Saint-Sulpice. Et comme Saint-Sulpice, ben, il y a les fameux tableaux de Delacroix qui codent, hein, par les tableaux des cartes de la région, des cartes de constellation déjà, de la région de Rennes-le-Château, et que c'est le fameux méridien zéro qui passe à Rennes-le-Château, à Arc, à Bourges, Amiens, vous êtes sur la ligne, le fameux méridien zéro, et l'église Saint-Sulpice est dessus, et donc tout se tient dans l'histoire secrète. Et là, bon, je ne veux pas dire dans le roman, parce qu'il y a du vrai, tout n'est peut-être pas forcément vrai dans une telle organisation des choses, mais en gros, tout est lié. Hein? Par exemple, si vous prenez le fameux Nicolas Poussin, alors Nicolas Poussin, c'était un peu avant, c'était sous Richelieu, tu vois, vous savez, le grand peintre qui a fait des dizaines et des dizaines de tableaux absolument extraordinaires, parce que c'est un très, très, très grand peintre, mais bien justement, il est né en Normandie, aux Andelys. Hein, donc, il a passé sa jeunesse par là. Et alors, il est très célèbre pour avoir peint les fameux bergers d'Arcadie, qui est le tableau de référence, parce que c'est une carte, en fait, hein, de la région de Rennes-le-Château. Hein, le paysage qu'on voit dans le fond, c'est la région de Rennes-le-Château. Il y a la fameuse tombe, etc. Les bergers, tout ce qui s'en suit. In Arcadia ego, la formule célèbre de toute l'affaire. Et alors, ce fameux Nicolas Poussin, très très bon peintre, etc., n'a quasiment pas eu de succès les premières années de sa vie. On n'a aucun tableau de lui dans les 30 premières années. Il y a des signatures, les peintres signent. Nicolas Poussin, inconnu. À un moment, il était en Italie. Donc, il est allé à Rome. Et alors, curieusement, dans les années 1640-1642, eh bien, il fallait à tout prix faire revenir Poussin en France. Et donc, il y a des émissaires qui vont le chercher. Et il y a même un qui va aller à Rome pour le chercher. C'est un frère de Nicolas Fouquet. Il y a un frère qui est abbé, on dit, ben, allez chercher à Rome Nicolas Poussin. Et qui veut qu'il revienne en France? Ben, c'est le fameux Richelieu.
Et Richelieu veut s'arranger avec lui, de quoi, de qu'est-ce, je ne sais pas. Et il est nommé ensuite premier peintre du roi. Donc c'est un type inconnu qui vit en Italie, devient premier peintre du roi. À partir de ce moment-là, sa carrière est nouée, Nicolas Poussin est archi connu, mais il tient que 2 ans à la cour de France. C'est-à-dire, il y a tellement de jalousie, tellement de protestations, parce qu'un inconnu qui vient d'Italie, etc., qui se retrouve premier peintre du roi, on ne comprend pas pourquoi. Et puis, résultat, il réussit à repartir. La cour fera des pieds et des mains pour qu'il revienne et ne reviendra jamais. Bon. Sauf que, bon, à sa mort, Louis XIV voudra racheter tous ses tableaux. C'est-à-dire tous les tableaux de Poussin, dispersés à droite et à gauche, Louis XIV les rachète et met les bergers d'Arcadie dans sa chambre. Ouais, donc il y a un intérêt de la royauté pour rendre le château qui est évident. Qui est évident, oui. Alors, l'intérêt pour l'art de Louis XIV, bon, bah d'accord. Mais là, c'est un peu particulier. Alors, ça, c'est prouvé réellement, hein. Donc, il y a plein de recoupements de ce genre. On y passerait la soirée à faire les recoupements, hein. Mais bon, comment Nicolas Poussin était aux Andelys dans sa jeunesse, il y avait un petit village à côté, une petite église. Et il y avait un chanoine, donc à 8 km de chez lui, qu'il a dû connaître sans doute dans des rencontres. Eh bien, le chanoine, c'était Saint Vincent de Paul. Le monde est petit. Etc. Alors, on se dit quelque part qu'en courbant un peu tout, avec les familles machin, les familles trucs, les noms, un tel qui est archevêque à Rouen, puis après qui se retrouve archevêque à Carcassonne, ou alors dans l'autre sens, qui est archevêque à Toulouse, qui vient archevêque à Rouen, et ça aussi bien XVIIe siècle, XVIIIe, etc., et du temps de la Bessonnière. Alors la vraie histoire de la reine de Château, c'est la Bessonnière entre 1885 et 1917. Alors, on se dit que c'est quand même incroyable comme histoire. Alors sans refaire là l'histoire de reine de Château, parce que c'est pas le but de la soirée, mais le but c'était de parler de Louis XIV, mais tout ça s'est passé sous Louis XIV. Donc on suppose que cette histoire de reine de Château était connue bien sûr des Mérovingiens, puisque c'est eux hein, qui sont à l'origine du truc, mais des Templiers, des Cathares, voilà là de Nicolas Poussin, de Nicolas Fouquet, de Trucmuche, de Nicolas Pavillon et autres, et puis après de la Bessonnière, l'abbé Boudet, tous les participants à la fin du XIXe siècle, et après dans l'histoire actuelle. Donc en fait c'est une histoire quasiment éternelle qui n'est pas récente du tout. C'est pas depuis Gérard de Sède, l'or maudit de Reine de Château, qu'il y a une histoire de Reine de Château. Visiblement, cette époque-là défrayait déjà complètement la chronique et on pouvait être arrêté hein, pour ce genre de choses. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut dire là-dessus. Et dernière chose alors sur ce sujet, avant de passer à la philosophie des Lumières et la Révolution, c'est que ce château de Versailles est extraordinaire parce que, mis à part une gigantesque bâtisse royale d'un luxe absolument inouï, c'est que les jardins sont un parcours initiatique. Et donc, quand on visite Versailles, on part d'un point de départ. Alors, il y a des allées avec des urnes, il y a des statues, il y a des rangées de statues, il y a des bassins, etc. Vous avez un bassin de Neptune, vous avez un bassin d'Apollon, et ça raconte une initiation. On part des ténèbres, bien entendu, du point de départ, et on arrive à la lumière, bien sûr. On finit par le bassin d'Apollon, dans l'axe central. Et là, vous avez un exemple hein, de ce qu'on appelle le labyrinthe. Alors, c'est au milieu des bosquets, les lignes en blanc sont des allées. Alors, il y en a qui tombent dans un cul-de-sac, il y en a qui permettent, vous voyez, dans le milieu, près du grand rectangle, de s'évader, de gagner une autre partie. Donc, vu de dessus, ça donne un aspect comme ça. Alors, on surnomme ça le labyrinthe parce que le constructeur des jardins a organisé les choses comme ça. Alors, c'est très géométrique, très bizarrement disposé. Toujours des rectangles, des carrés, des cercles, des demi-lunes, des tout ce qui s'ensuit. Et moi, ça me fait toujours penser à un circuit intégré, quoi. Vous voyez, le circuit intégré dans un appareil électronique, on a l'impression que la puce, voyez, qu'un carré comme ça est comme ça. Alors, je sais pas, c'est un sens direct, hein, une relation directe, mais bon, le labyrinthe, c'est pas le labyrinthe de Chartres, hein. C'est pas un labyrinthe classé qui est très, 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 très curieux. Mais on voit bien, hein, que les angles ont été calculés, les triangles sont calculés. Vous voyez où il y a le grand rectangle avec 2 triangles sur les pointes, des allées centrales. Alors, dedans, il y a des bosquets, des statues, des choses à découvrir, hein. Donc, le parcours initiatique existe. Ça m'arrive d'y emmener quelques amis, faire la visite. Voilà. Donc, on peut passer sur Versailles.
Donc, voilà pour Louis XIV. Hein. Donc, Louis XIV a été aussi un grand chef militaire. Hein. Et à la fin, il sera nommé, à la suite de toutes ses victoires, Louis le Grand. Il va recevoir le titre de grand. Hein. D'où le fameux lycée Louis le Grand qui est à Paris. C'est le lycée Louis XIV. Hein. Sauf qu'après, là, on est à la fin du XVIIe siècle, sauf qu'après, Louis XIV va encore vivre une vingtaine d'années, jusqu'en 1715. La fin de règne est catastrophique. Je vous passe le détail des famines, des chamboulements climatiques, la Seine gelée sur 2 mètres d'épaisseur, le roi malade, etc. Le décès de presque tous ses enfants, au point que Louis XV sera un arrière petit-fils parce que tous les autres sont décédés. Vu la longueur du règne de Louis XIV, sont décédés avant lui. Donc, on retrouve un problème quasiment d'héritier. Et donc, ce pauvre Louis XIV, pour passer les détails, a fini très très mal. À la fin, il a eu une gangrène généralisée. C'est-à-dire que, en gros, il a pourri sur place. Au sens propre, il s'est décomposé à l'état vivant. À la fin, c'était une marmelade, etc. Donc, une horreur pour le roi Soleil. Hein. Bon, passer secrètement dans les livres d'histoire, parce qu'on peut pas trop insister là-dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite à la mort de Louis XIV? Il y a une régence, parce que justement, il n'y a plus d'héritier en âge de gouverner. On cherche un arrière-petit-fils qui sera Louis XV, mais comme il est tout petit, eh bien, il y a une régence. Et c'est pendant cette époque-là, régence d'Orléans, puis Louis XV au pouvoir, puis Louis XVI, que se passe au XVIIIe siècle, hein, une ère nouvelle. Il y a la fameuse philosophie des Lumières. Alors, vous savez que c'est le grand siècle des philosophes, hein, le 18e siècle. C'est là qu'il y a les Montesquieu, les Voltaire, les Diderot, les idées nouvelles, hein, ces fameux philosophes. Alors, curieusement, un siècle très philosophique, on débattait beaucoup d'idées. Il y avait les salons littéraires dirigés en général par des mêmes madames. Les cabarets, on discutait un petit peu de réformer le vaste monde, etc. Il y avait une effusion d'esprit assez importante et en même temps le siècle du libertinage. C'est-à-dire le nombre de contes et récits érotiques qu'il y a pu avoir à l'époque, après la rigueur du siècle de Louis XIV et XVIIe siècle très, très, très carré, pas la cour royale, hein, mais par la population. C'est assez dévuré. On sait que Louis XIV a eu la Montespan, la Lavalière, la Machine comme maîtresse, à la fin, Madame de Maintenon. Ça c'est les rois, mais alors dans le peuple, c'était assez cadré. Alors avec Louis XV et autres, les mœurs sont un peu libérées. Donc, on appelle ça ceux qui étaient de cette tendance-là, les libertins, et le libertinage, ça s'entendait en deux aspects. La liberté de penser, on était libertins au sens philosophique, mental, et de mœurs. On avait des mœurs un peu plus libres. Attention, c'est pas la débauche de certains milieux d'aujourd'hui, hein. Mais le fameux Marquis de Sade est de cette époque-là. Ah. Donc les livres Justine, etc., que bon, tous les adolescents connaissent parce qu'on lit ces choses-là, c'est cette époque-là. Hein. Le Marquis de Sade est à cheval sur l'Ancien Régime et la Révolution. Hein. C'est d'ailleurs la Révolution qui le fera libérer, puisqu'il était en prison au moment de la Révolution. Hein. Alors, c'est en même temps, en ésotérisme, le siècle de l'illuminisme. On a des grands noms de l'illuminisme à cette époque-là, des grands occultistes. Hein. Il y a Swedenborg, il y a Louis-Claude de Saint-Martin, Martinez de Pascali, et tous ces gens-là qui sont les grands occultistes de l'époque, ce sont 18e siècle aussi. Et puis alors, surtout, c'est l'époque des débuts de la franc-maçonnerie. Hein, donc la franc-maçonnerie est censée être héritière de traditions beaucoup plus anciennes, des compagnons bâtisseurs du Moyen-Âge, ça remonte aux bâtisseurs d'Égypte et ça remonte au temple de Salomon. Hein. Mais c'est pas officiellement la franc-maçonnerie. En tant que franc-maçonnerie, elle naît en Angleterre en 1717. Donc la première grande loge royale d'Angleterre, c'est 1717, 18e siècle. Et après, ça s'essaime en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Et la franc-maçonnerie, ben, elle est les mêmes idées que la philosophie des Lumières, c'est-à-dire le progrès, la liberté, la tolérance, la réforme de la justice, et une haine complète de ce qu'on appelle l'absolutisme, la dogmatique. Donc, en gros, la monarchie absolue, c'est pas bon, et l'Église catholique avec ses dogmes, c'est pas bon non plus. Donc, la franc-maçonnerie va travailler un petit peu sur le plan des idées tout le XVIIIe siècle. Enfin, de 1717, il y avait même une loge maçonnique à Versailles.
Et le roi était initié, à un moment on a dit Louis XVI, vous voulez pas vous initier, vous voyez pas du tout le danger de la chose, et donc était initié, ses deux frères aussi, qui sont le futur Louis XVIII et le futur Charles X. Donc ont été initiés en loge de l'époque, hein. C'est pas la franc-maçonnerie qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'à l'époque il y avait dedans des prêtres, des intellectuels, des artisans, des ingénieurs et des gens de la cour royale. Donc c'était vraiment synthétique. On pouvait dire là on est universel, on cherche un projet commun. Il y a plus de catégorie sociale, au moins dans la loge, hein. L'extérieur sans doute beaucoup, etc. Et donc la question qui se pose toujours, c'est on a dit longtemps forcément les ennemis de la franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie qui a comploté la révolution, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de trace historique d'un groupe de francs-maçons faisant la révolution. Mais en gros au niveau des idées, ce qu'elle avoue elle-même, elle dit, ben oui, on a influencé, parce que nous, dans les salons littéraires, et nous, par les écrits, et nous, par le débat d'idées, on y participait aussi. Hein? Les grands philosophes que tu citais tout à l'heure, Voltaire, Montesquieu, ben, étaient francs-maçons ou pas? Montesquieu, je ne pourrais pas vous certifier, je ne sais plus en tête, hein, mais Voltaire, oui, hein, parce que Voltaire et Benjamin Franklin, c'est l'ambassadeur des États-Unis en France qui est venu à la cour de Louis XVI, qui était un franc-maçon archétypal, quoi. Hein, donc, mais la plupart des philosophes de l'époque en étaient. Bon, là, j'ai plus en tête si vraiment Montesquieu en était. Toujours est-il que même disent, ben oui, on a eu dans les idées un rôle quand même de diffusion des pensées nouvelles et tout ce qui s'ensuit. Hein. Bon. Alors, il y en a qui disent, ben, c'est important, c'est pas important. On a l'impression qu'on entend parler de certains, que comme c'est au niveau des idées, ce serait pas important. Comme c'est les idées qui mènent le monde et qu'après on concrétise des choses par rapport à des idées qui ont prise dans l'opinion publique, l'influence est absolument obligatoire et formidable et tout ce qui s'en suit. Donc, on croit qu'il y a une influence puisqu'après on retrouve les équerres, les fils à plomb, le triangle avec un œil, etc., de tout un tas de monuments. Hein, et dans tout un tas de livres ou dans l'influence même des symboles pendant la Révolution et l'Empire. Hein, donc, et alors un nombre énorme de députés aux États généraux étaient francs-maçons. Alors même s'ils n'ont pas fait des lois en tant que francs-maçons, ils ont participé. Hein, Lafayette, le fameux Lafayette, elle était un franc-maçon, mais Condorcet était franc-maçon, le Bailly, le maire de Paris était franc-maçon, ils en avaient une flopée absolument inouïe. Hein. Donc il y a eu une influence, et son grand siècle, c'est le XVIIIe siècle. Après, ça va se diviser, parce que la terreur va faire que certains vont dire bah, « c'est pas les idéaux de fraternité ». C'est pas ce qu'on avait prévu. La franc-maçonnerie, c'est pas ce qu'on attendait, les prêtres, comme ils vont être persécutés, qu'il y aura la constitution civile du clergé, vont s'en détacher un petit peu, les nobles qui vont passer à la casserole, ben, vont plus, etc. Donc, ce qui va surnager, c'est un petit peu le Grand Orient de France. Hein, et, alors, le Grand Orient de France est très, très curieux, parce qu'il a été créé en 1773, mais le grand chef, c'était le duc d'Orléans, qui était le cousin du roi Louis VII. Donc, on avait dans la famille royale le cousin du roi, qui était le grand maître de la franc-maçonnerie. Ce qui est quand même assez, assez extraordinaire. Donc, on ne va pas, bien sûr, faire un exposé sur la franc-maçonnerie aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore le sujet. Mais c'est pour montrer, c'est l'influence du XVIIIe siècle, cadrant parfaitement avec les idéaux nouveaux de tolérance, de liberté, de réforme du vaste monde et surtout de mettre fin à l'absolutisme, qui sont les grandes idées du XVIIIe siècle, dites de philosophie des Lumières, et alors, très curieusement, de mettre les Lumières au pluriel. On n'est plus dans la philosophie de la lumière sous-entendue divine, parce qu'il n'y a qu'une lumière divine, mais des lumières. Donc diffuses, multiples, interprétations diverses, etc. Et alors, autre curiosité, c'est en astrologie. En astrologie, on a découvert à l'époque, redécouvert, hein, parce que dans l'Antiquité, on savait qu'il y avait un astre qui s'appelait Uranus, redécouvert Uranus. En gros, les astronomes, en 1781, ont découvert au-delà de Saturne Uranus. Alors, c'était 1781, donc on tombait dans la Révolution américaine, on tombait avant la Révolution française. Quel rapport ça a? Il y en a un très important, c'est que c'est l'astre des révolutions. C'est-à-dire Uranus, maître du Verseau, et la planète des révolutions. Donc, on se demande par quel heureux hasard on a retrouvé cette planète-là juste à ce moment-là.
Bon. Et autre planète qui n'a pas été redécouverte à l'époque, mais en 1930 seulement, et qui est Pluton, a joué un très grand rôle à l'époque, même si elle n'était pas découverte, elle a une influence, puisque dans le ciel, bien entendu, elle existe. C'est que il y avait à cette époque-là une opposition Uranus-Pluton dans le ciel. Donc, je ne vais pas vous passer tous les thèmes parce que pour la préparation, mais là, je vois que j'aurais plus beaucoup de temps. J'avais, sorti un peu tous les thèmes de Louis XVI, de Robespierre, de la prise des Tuileries, etc. Et vous avez toujours l'axe Uranus-Pluton qui sont deux astres de la destruction. Hein, c'est-à-dire que Pluton est un astre de la destruction, Uranus est l'astre de la révolution. Quand vous avez un aspect négatif entre les deux, ça clash. De temps en temps, il y a Mars avec, etc. Et alors, dans deux signes très particuliers, le lion et le Verseau. C'est-à-dire que Pluton était en Verseau et Uranus en lion. Et le lion, c'est le signe royal, c'est le signe de la monarchie. Et le Verseau, c'est le signe de la révolution. Comme par hasard, vous aviez les deux planètes qui peuvent faire un remue-ménage et un cataclysme dans ces deux signes particuliers-là. Louis XVI, au passage, étant du signe du lion, vous voyez, et il sera exécuté au moment où le soleil est en Verseau. Donc dans le signe révolutionnaire. Donc il y a une symbolique astrale forte et prouvable dans les thèmes. C'est-à-dire vous prenez le thème de la Bastille, le thème de la mort de Louis XVI, le thème de ceci, et vous avez tous ces aspects-là qui jouent. Quand il n'y a pas un carré avec la Lune, un carré avec Mars, la Lune symbolise le peuple, etc. Mars symbolise la guerre, donc on a tout ça dans le jeu, donc c'est très très important. On pourrait faire toute une soirée entière sur sur le rapport entre les positions des planètes et les événements historiques. Mais donc ça a joué, parce que là on est d'un cycle uranien très particulier. Alors le maître mot de la révolution, c'est la rénovation de tout. C'est-à-dire il fallait tout régénérer, les institutions, le pouvoir, la religion, les rapports sociaux, la culture, etc. Et même régénérer l'homme, c'est-à-dire que l'homme soit un homme nouveau. Et tous les systèmes révolutionnaires ont tous ces idées-là. Hein. En Russie, il fallait créer l'Homo Sovieticus, une nouvelle forme d'homme adaptée au système moderne pour les nazis, le surhomme. Il faut toujours transformer l'homme qui ne leur plaît pas en quelque chose de plus grand, de plus transcendant, etc. Et là, on avait ça, le mot régénérescence revient des centaines de fois dans les discours et dans les textes de la Révolution, ce qui est très curieux, pourquoi pas rénover, hein, c'est la Révolution, rénove tout, bon, ça n'a pas toujours donné des résultats extraordinaires, y compris même l'architecture. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire comme architecture nouvelle? Alors vous avez quelques images de ça, vous voyez les images 2, 3, 4, hein. On passe très vite parce qu'on ne veut pas faire trop longtemps là-dessus, hein. Mais voilà, alors vous avez un grand architecte à l'époque qui s'appelle Claude Ledoux, qui a eu les idées de nouvelles appliquées à l'architecture. En gros, c'est la philosophie des Lumières appliquée en architecture, de faire quelque chose à la fois de géométrique, de très bien organisé. Vous voyez les fenêtres, vous voyez les dimensions des bâtiments, un calcul, etc. etc. C'est le style New Look de l'époque. Voilà, donc là, ça doit être des salines, c'est-à-dire des entreprises de fabrication de sel. Alors là, ça n'a pas été construit, mais on a retrouvé dans ces plans l'image d'une entreprise idéale. Alors, vous voyez les fourneaux en forme de pyramide disposés en quatre coins, une croix dans le milieu, des bâtiments, la ville sur le pourtour. C'est-à-dire qu'on avait l'idée d'un monde nouveau comme ça. Alors, on est loin des petites ruelles et des tunnels du Moyen-Âge et sur les bords des rivières. On a un machin totalement organisé au carré, tout à fait dans l'esprit de géométrie maçonnique. On a supposé que Claude Ledoux soit franc-maçon. Alors, on n'a jamais eu preuve, mais bon, qu'il soit dans l'inspiration de ses idées de géométrie, c'est fort possible. Et puis là, on note quand même une référence assez explicite à l'Égypte. Oui, 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 aux pyramides. Alors, ça a été très à la mode, hein, tout le XVIIIe siècle et pendant la Révolution, de faire référence à l'Égypte. D'accord. La fameuse campagne d'Égypte de Bonaparte n'est pas un hasard non plus. On se passionnait pour ce pays-là, bien avant que les hiéroglyphes soient déchiffrés. Hein. Et donc, il y avait toujours référence aux pyramides, aux colonnes, tout ce qui s'ensuit. Hein. Et là, voilà, une image d'une cité idéale. Alors, très au carré aussi, hein. Bon,
Il y a un On a peu l'impression de retourner un peu à ce que faisaient les Romains. Oui, parce qu'il y a eu aussi un idéal romain. D'ailleurs, en politique aussi, hein, la référence à un moment sera la République, sous-entendu la République romaine, etc. Robespierre lui-même était passionné d'histoire romaine. On le surnommait le Romain, d'ailleurs, parce qu'il vantait toujours la période idéale de Rome. C'est pas les empereurs, hein, c'est la période républicaine. Hein. Comme il y aura une République bientôt, hein, on en est là. Hein. Alors voilà, vous voyez des curiosités pour montrer que par rapport, vous voyez, au style Renaissance, les châteaux de la Loire et aux forteresses féodales, on a changé le style. Je dis pas que c'est pas beau, hein. Je dis qu'on a voulu faire la révolution, même là-dedans, hein. Alors, on va passer à la révolution proprement dite, puisque le gros morceau, en gros, c'est la révolution. Et la révolution, alors là, c'est le plus monumental coup de la centrale de contre-initiation, qui peut exister. C'est-à-dire que là, c'est une opération subversion totale. Alors, on peut dire au sens historique et logique, normal, bien c'est normal, il y a une révolution, on change un régime périmé qu'on va appeler plus tard, hein, parce qu'à l'époque, on ne sait pas que c'est l'ancien régime, puisqu'on n'a pas encore vu la révolution, mais sera appelé plus tard l'ancien régime par le nouveau, bien entendu. On va tout rénover, on va changer les institutions politiques, l'éducation, l'économie, et bien sûr le pouvoir, hein, puisque le roi sera guillotiné. On a l'idée de renverser toutes les valeurs et de faire un monde nouveau, c'est louable en soi, hein. Sauf que d'un point de vue moral et spirituel, ça ne va pas donner le résultat en question. Hein, il y a bien un progrès, mais il va surtout être économique et matériel, mais il ne va pas du tout être dans les autres domaines. Hein. Et ça va même aboutir à des, comment dire, à des choses négatives. Il y a beaucoup de choses négatives pendant la Révolution qu'on va passer sous silence, dans les livres d'histoire, hein, je veux dire, parce que le négatif n'est jamais cité, et que si vous faites le bilan maintenant, 2 siècles après, a posteriori, vous apercevez qu'il y a plus de négatifs que de positifs. Objectivement, hein, indépendamment de choses ésotériques. Alors, quand vous êtes dans l'ésotérisme, c'est encore plus négatif, c'est même totalement négatif. en gros, ouais. Attention, on ne dit pas que c'est pas bien de faire une révolution, parce que de temps en temps, il faut changer les choses, il faut évoluer. Aujourd'hui, on voit bien que tout va mal, il faut réformer, on est d'accord. Mais pour aboutir à ce à quoi ça aboutit, parce qu'il faut bien voir à quoi ça aboutit. Ça aboutit au coup d'État de Bonaparte et à un empire. C'est-à-dire, on s'est retrouvé avec une sorte de dictature alors qu'on voulait mettre fin à la monarchie absolue, mais que Louis XVI avait moins de pouvoir que Napoléon. Alors, on est bien obligé de se dire, moi, si je voyais Robespierre en face de moi, je dirais, vous avez gagné quoi? Disons que l'idéal qui animait cette révolution n'a pas été respecté. En effet. Alors, pour pas refaire l'histoire de la révolution, vous savez que ça s'est divisé en plusieurs parties. Pour brosser très rapidement, il y a une partie idéaliste, bon enfant, sympathique, presque une ambiance de fête. Ça va des états généraux jusqu'en 1791. Donc, il y a eu 2 ans à peu près d'euphorie, de joie du peuple, on a cru tout de réaliser, le monde nouveau, le fameux monde nouveau. Après, il y a eu malheureusement l'erreur du roi, la fuite à Varennes, la prise des Tuileries, et après il y a eu la période de terreur. Alors, la révolution aboutit à faire une période de terreur, il faut le faire. Et puis après la fin de la terreur, il y a une période de déliquescence, de corruption, de laisser aller, qui s'appelle le directoire, où le seul recours c'était d'avoir des finances en faisant la guerre à des pays étrangers. Toutes les campagnes de Bonaparte en Italie, et après pour mettre fin à toute cette anarchie, le coup d'État. Donc forcément, le schéma, il est un peu embêtant. Un idéal, une terreur, une déliquescence, un coup d'État, une dictature. Bon, certains. Le peuple est un petit peu cocu de sa révolution. Hein, en clair, oui, si on peut dire. Hein, et donc, forcément, interprété comme ça, ça fait un peu délicat, parce que il y a quand même eu des bonnes choses de réaliser. On peut pas nier qu'il y ait une démocratie, une liberté de la presse, des choses comme ça. Mais par certains côtés, ça a pas donné le résultat que les idéalistes du 18e siècle croyaient. Hein, parce qu'on s'imaginait jamais que ça allait aboutir à des milliers de personnes passées à la guillotine, à la guerre européenne, et finalement un coup d'État, quoi. Donc, même certains ont senti le vent venir. S'il y avait beaucoup trop d'anarchie pour qu'il n'y ait pas un jour un coup d'État, ça n'a pas raté, hein. Donc, il y a ces trois phases-là de la, ré,
la révolution, qu'on peut séparer. D'autres disent, vous savez, c'est la même chose, on est un peu plus dur, on est un peu plus souple, mais c'est la même révolution. D'autres disent, c'est des révolutions différentes. Bonaparte met fin à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette révolution, qui pourrait faire... Alors, je vous rappelle quand même comment ça a commencé. C'est un problème de finances qui est au départ. C'est-à-dire que les finances sont à zéro. C'est pas une situation très nouvelle en France, ce sont toujours à zéro, les caisses sont vides en gros. Qu'est-ce qui les a vidées? Eh bien, le soutien à la guerre d'Amérique, hein, auquel la France a participé, mais pour y participer, il fallait reconstituer une flotte de guerre et une marine, ça coûtait très très cher. Et en fait, on avait un but secret, c'est peut-être pas tellement de donner un coup de main à ces colons américains, c'était de reprendre la revanche sur l'Angleterre qui avait gagné dans les années précédentes, qui était maîtresse des mers, il fallait plus qu'elle le soit. Donc, on avait une possibilité de revanche sur l'Angleterre en soutenant les colons américains. Du coup, on est devenu grand copain de l'Amérique, etc., etc. Sauf que ça coûtait énormément cher. Le reste, c'est des dépenses locales, habituelles de la cour, etc. Toujours est-il que le roi voulait faire une réforme des finances, mais que bien sûr, la solution... C'était d'ailleurs à l'étude, c'était très bien que les privilégiés qui payaient pas d'impôts en payent au moins un petit peu. Et que si chaque noble et clergé exempté d'impôts de par leurs privilèges en payait, les finances auraient été sauvées. Sauf qu'ils voulaient pas. Alors la situation était bloquée, comme on dit aujourd'hui. Alors le roi dit, comme c'est bloqué, il n'y a plus qu'une seule solution, le peuple va trancher et on convoque les états généraux. Alors, qu'est-ce que les États généraux? C'était une sorte d'institution qu'on convoquait dans des situations exceptionnelles. Et c'était les délégués de toutes les communes, de toutes les provinces, de tous les villages qui envoyaient des députés justement à la cour pour débattre d'un problème crucial de l'heure. Et c'est pour ça que les États généraux sont convoqués. Donc, si je te comprends bien, on est quand même déjà dans une monarchie qui n'est plus si absolue que ça. Voilà. Et qui laisse une part, je dis bien une part, hein, tout est relatif, mais qui écoute en partie la voix du peuple. Oui, parce que le seul moyen de faire céder les privilégiés, eh bien, c'était un peu de mettre ce qu'on appelle le tiers-état, la bourgeoisie un peu de son côté, etc. Et puis, bon, un ministre comme Turgot, ministre de Louis XVI, avait déjà des idées assez libérales, faire payer les classes privilégiées. Bon. Supprimer les corporations qui étaient une gêne au commerce, ils étaient déjà dans le libéralisme économique. Oui. Donc c'était pas si absolu que ça. Puis alors bon, sous Louis XVI, on voit un petit peu béné, un petit peu pas apte au pouvoir dans des circonstances difficiles, etc. Un peu mal géré la fièvre révolutionnaire qui va avoir ça aussi. Ça aurait été Louis XIV. Ça serait peut-être pas passé comme ça, mais comme c'était Louis XVI, la destinée a encore mijoté quelque chose de particulier, c'est que lui était pas apte à gouverner pendant une période de révolution. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que les États généraux sont convoqués officiellement pour résoudre la crise financière de la France. Et puis ça aboutit à la révolution. Parce que bien sûr, sur place, le tiers-état n'a rien voulu entendre, X n'a rien voulu entendre, le roi s'est raidi, a voulu faire fermer la salle de réunion, il y avait des gardes, les députés sont rentrés en force, ils se sont maintenus l'assemblée ailleurs en disant « c'est nous le peuple, donc on n'a pas besoin d'être dans une salle au palais, on se réunit, nous sommes le peuple ». Alors ces fameux tiers-états, qu'est-ce qu'il est? Il est tout, toute la nation, les autres ils sont 2% de la population, ils comptent pas, etc., etc. Je vous passe tous les péripéties de mai-juin jusqu'à la prise de la Bastille, 14 juillet, quand le roi a massé des troupes autour de Paris, eh bien, la population a dit qu'il va avoir un coup de force, donc les députés vont être arrêtés, ils ont pris la Bastille, et puis voilà comment la révolution s'est enclenchée, ce que tout le monde connaît. Donc, pour aller très vite, pour finir, pour ne pas raconter toute l'histoire de la révolution, bien entendu, vous voyez là, cette fameuse Bastille, alors très très célèbre, qui défendait le nord-est de Paris d'une invasion, c'est-à-dire pour attaquer Paris, il fallait prendre cette Bastille. Mais comme les ennemis n'arrivaient plus depuis très très longtemps pour conquérir Paris, bien sûr, on n'avait pas vu d'armée étrangère dans le pays depuis très longtemps, grâce à nos rois, eh bien, elle servait de prison. C'est-à-dire, on mettait quelques prisonniers. Le peuple, bizarrement, croyait que c'était plein de prisonniers, très maltraités, torturés, attachés sur les murs, etc. Puis quand on est rentré, je crois qu'il y en avait 7 ou 8, qui étaient relativement bien traités.
Donc bon, alors ça faisait horreur quand même comme baptiste par son importance, vous voyez, par rapport à la ville. Et par... Oui, parce que c'était très haut, c'était des hauts murs, c'était sombre, on n'y rentrait pas facilement. Vous avez un petit pont-levis, vous voyez, sur le côté. Mais c'est surtout la réputation. Comme il y avait la réputation qu'à l'intérieur, on en voyait toutes les couleurs, quand on était dedans, on n'en sortait plus, et que c'était que la prison du roi, c'est-à-dire que le roi pouvait y faire enfermer qui voulait sur une simple lettre de cachet. Il suffisait que le roi écrive un nom sur un papier, mette son cachet royal dessus, et le chef de la police vous embastillait. Et donc, alors, la menace d'aller à la Bastille, était terrifiante. Donc, forcément, c'était très symbolique de prendre la prison du roi. On l'a pas pris pour cette raison-là, hein. On n'a pas pris pour démolir le symbole de royal. On l'a pris parce qu'on croyait qu'il y avait de la poudre et des armes. Comme c'était une forteresse, on s'est dit ça doit être bourré d'armes. Comme la population qui craignait une intervention militaire voulait des armes, elle a pris la Bastille. En fait, on n'a quasiment pas trouvé grand-chose. Hein, c'était des gardes, c'était des vieux soldats à la retraite qui gardaient, etc. Mais bon, pour l'honneur et pour montrer que c'était la Révolution, on a quand même découpé la tête du gouverneur de Launay et de la Bastille et de son adjoint qu'on a promené. Alors, on a commencé ce rituel très, très extraordinaire des têtes coupées et de les mettre au bout des piques. Alors, ça a été pendant la Révolution, le nec ultra du décorum, hein, c'est, les fameux gardes, nationaux, les sans-culottes et révolutionnaires avec leurs longues piques de mettre des têtes au bout des piques. Ça a commencé ce jour-là, ça a bien continué. Hein. Donc, après, vous avez la prise des Tuileries. Ça se passe le 10 août 1792. Après Varennes, ben, le roi essaie de continuer. Et puis, à un moment, bon, ben, la population veut qu'il soit démis de ses fonctions, arrêté, et prend le palais des Tuileries d'assaut. Ce que vous voyez là, dans toute l'imagerie traditionnelle. Hein. Le roi, à l'époque, a une garde qui est des mercenaires suisses, que vous voyez en rouge, là, sur le sol. Et ben, les mercenaires suisses, forcément, ils sont payés pour défendre le roi, ils défendent, et il y a un accrochage entre des révolutionnaires et quelques gardes. Il y en a qui tirent, et puis ça dégénère complètement, et vous avez le massacre des gardes suisses qui se passe ici. Beaucoup de Français tués aussi, hein, révolutionnaires tués pendant l'assaut. Donc très célèbre. Après ça, le roi sera suspendu. Après, il y aura son procès, etc. Hein. Voilà. Donc la suite des images. Donc on peut peut-être les passer. Alors, j'ai la bataille de Valmy. Ouais, voilà. Donc après, il y aura en septembre 92 la bataille de Valmy, emportée par les révolutionnaires contre les Autrichiens, les Prussiens. Alors très célèbre parce que forcément après il y aura une déclaration de guerre. La France va déclarer la guerre à ses ennemis parce que tous les rois sont fâchés contre leur révolution, veulent protéger Louis XVI et Marie-Antoinette, je vous rappelle qu'elle est autrichienne, donc il y a une intervention militaire étrangère et contre toute attente. Eh bien, nos armées gagnent à Valmy, très célèbre parce que sur une colline, il y a un fameux moulin de Valmy que vous voyez là. Donc, on gagne, ennemis repoussés, ressortent de France. Donc, ça s'est passé en septembre 1792. Donc, ensuite, vous avez des images de la Terreur. On verra après, on reviendra sur cette image-là pour le commentaire sur la Terreur, hein, mais les charrettes, la guillotine où les prisonniers vont passer, hein. Dans un grand concours de foule au début, hein, conspuant les prisonniers qu'on accusait bien sûr de contre-révolution, de trahison, de pacte avec l'ennemi, de monarchisme, de tout ce qu'on veut. Hein. Beaucoup moins à la fin, on n'avait plus tellement de motifs. Là, c'est quand on ramène les cadavres, de tous les massacres ou autres, pour les enterrer dans des fosses communes, hein, parce qu'il y en avait beaucoup trop, hein. Des milliers, des milliers, des milliers, pendant 2 ans, hein, plusieurs milliers. Hein. Etc. Hein? Voilà. Et alors là, une scène qui m'intrigue beaucoup. Alors voilà. Alors là, c'est pendant la Terreur. Bien sûr, il y a eu autant de terreurs en province, hein, à Lyon, à Marseille, dans toutes les grandes villes, et à Nantes. Alors, bon, on n'avait pas beaucoup d'envie de passer son temps à fusiller des gens ou à faire marcher la guillotine. Le délégué de la Convention pour appliquer la Terreur dans la région nantaise lui a trouvé une solution radicale, c'est de mettre les prisonniers sur des barques, de conduire les barques au milieu du fleuve et de les trouer et de couler les barques avec les prisonniers à bord, ligotés et enchaînés pour les noyer.
Donc, ça s'appelle les noyades de Nantes. Il y a plusieurs centaines ou milliers de personnes qui ont été noyées comme ça par un sinistre individu qui s'appelle Carrier. Donc, c'est quelque chose qui est très célèbre, j'allais dire, qu'on connaît un petit peu. La période ne porte pas son nom, la terreur, par hasard, quoi. Alors, il y a plusieurs grands chefs de la terreur. Le grand chef, c'est Robespierre. Mais en province, vous avez Fouché à Lyon, vous avez Machin à Marseille, vous avez Carrier à Nantes, qui sont allés faire des exactions même bien au-delà du mandat qu'ils avaient reçu d'exécution des rebelles, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de qui étaient exécutés, ils n'étaient pas rebelles du tout. Ils étaient pris dans une rafle, d'autres ont liquidé toutes les familles, hein, et tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc, on va... Très rapidement, Michel, une petite question de Patrice qui nous dit, à part la population parisienne, le reste du peuple de France a-t-il participé à cette révolution? Était-il seulement au courant? Et là, on voit qu'en province, la terreur faisait aussi des ravages. Si, tout le monde était au courant quand même par les colporteurs, les messagers, et tout le monde se tenait au courant. En 1789, il y a eu une révolte dans toutes les campagnes. Les gens ont pris les châteaux d'assaut, ont brûlé toutes les archives qui leur faisaient payer des taxes et des redevances aux seigneurs. Ceux qui ont résisté ont été liquidés, etc. Et après, selon les villes plus ou moins révolutionnaires, plus ou moins noyautées par les royalistes, la contre-révolution, etc., il y a eu des choses comme ça partout, hein. Par exemple, à Toulon, où il y avait beaucoup de royalistes, eh bien, l'armée de Bonaparte a repris Toulon en la canonnant. À Lyon, c'était canonné. Il y a eu un siège de la ville et bombardement de la ville, etc., etc. Alors, peut-être que dans des petits villages, des coins reculés de campagne, il n'y a pas eu grand-chose, mais on va parler après de la guerre de Vendée. En Vendée, on a sacrément vu passer la terreur, quoi. Et tout l'ouest de la France, les Chouans, Bretagne, etc. Non, le pays était à feu, à sang, de tous les côtés. Dans l'Est, eh bien, les armées étrangères sont arrivées par l'Est, puis on les a reconduits, forcément, en faisant des batailles. Donc, on a eu tout pays à feu et à sang. Dire qu'on connaissait pas qu'il y avait une révolution dans le pays qui était à feu et à sang. Et quand il y a eu l'exécution de Louis XVI, eh bien, dans la journée, tout le monde l'a su. Donc, non. Alors, forcément, c'est pas le même degré. Par exemple, Clermont-Ferrand ou Angers ou Brest par rapport à la prise de la Bastille et les Tuileries et la place de la Concorde où la guillotine marchait en permanence à Paris. Forcément, les grands événements révolutionnaires sont passés à Paris, quoi. Alors, tu parlais justement de la mort de Louis XVI. Voilà, l'exécution du roi. Alors forcément, ça fait sensation, on en parlera en détail après. Ah, mais la guillotine, vous voyez le grand engin que c'était avec le couperet, etc. On allongeait la personne, vous voyez, sur la planche, vous avez les linges bleus, là, hein, bien sûr, sur le ventre. Et puis, on lâchait la guillotine, il y avait une corde, hein, pour la lâcher. À la vitesse de descente, puis son poids faisait qu'on tranchait net le cou. Et après, hein, des bourreaux montraient la tête en le tenant par les cheveux au peuple, là. Voilà. Alors, pas toujours, hein. Parce que quelquefois, quand c'était un inconnu, on montrait pas sa tête au peuple, la tête tombe dans un panier de son, et après, on enterre les morceaux, j'allais dire. Voilà, on en parlera un petit peu après, parce que ça fait sensation, bien entendu, l'exécution du roi, parce que exécuter un roi, quand même, c'est très très rare, hein. Assassiner quelquefois, exécuter volontairement après un procès. Bon, c'était particulier. Alors bon, pour passer tout ce que la révolution a fait de bien, tout le monde le sait. Donc ça sert à rien d'insister là-dessus, hein. Bon, la liberté, la réforme de l'école, de la justice, l'abolition de la torture, tout ça, bon, des choses qui sont considérées comme bien. Alors qu'est-ce qui a été, disons, plus difficile, qui est plus mal passé? Alors d'abord le libéralisme économique. Donc en fait, il faut savoir que ceux qui ont gagné la révolution, c'est les bourgeois. C'est-à-dire, c'est les chefs d'entreprise, les financiers, etc. Et ce qu'on appelle le courant libéral. Hein. Alors, bon, forcément, ils avaient intérêt à abattre la noblesse, à abattre le clergé rétrograde. La noblesse était censée pas travailler et l'Église toujours à faire des leçons de morale et patati patata. Eh bien, c'était bien sûr de lancer le libéralisme économique. Et pour libéraliser le commerce, il fallait supprimer les corporations qui datent depuis le Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était de grouper les métiers par profession. En gros, il y avait corporation des cordonniers, des tisserands, des producteurs de bière, etc., qui organisaient eux-mêmes la profession. Il y avait les grands maîtres de corporation, les ouvriers, les artisans, les employés,
secrétaire, et discuter ensemble par une sorte d'assemblée des bienfaits de la profession. Hein? Donc, ils commandaient les matières premières, et bien sûr, ils défendaient leur bout de gras dans une ville pour leur commerce, les épiciers. Voyez, et chacun avait un règlement, il y avait un statut des tisserands, ce qu'ils avaient le droit de faire, pas de faire, etc. C'était organisé comme ça. Bon, les milieux économiques ont trouvé que c'était pas très rentable comme système. Il fallait tout libéraliser, donc supprimer les corporations. Dans ce cas-là, il y avait les patrons, ils embauchaient des ouvriers de n'importe quelle origine. Un paysan pouvait travailler dans une fabrique de bière, une femme dans un métier à tisser, dans une entreprise de tissage, il n'y avait plus besoin d'être d'une corporation précise d'un métier. Du coup, il n'y avait plus de statut, il n'y avait plus de contrôle, il n'y avait plus de qualité, il n'y avait plus rien, parce que les grands maîtres des corporations qui voulaient une réputation veillaient à ce que quelqu'un qui fabriquait une chaise ou un sabot le faisait à la perfection. Donc, on avait des très belles choses, comme on retrouve des choses de l'Ancien Régime. Une fois que ça a été usiné, fabriqué en série, et des choses comme ça, ça avait beaucoup moins d'importance. Donc, l'ouvrier s'est passé par une mesure libérale. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce qui est pris pour positif peut être négatif. C'est-à-dire, on s'est dit, on va libérer les ouvriers des corporations. Mais après, quand ils se sont retrouvés devant un patron, qu'est-ce qu'ils avaient comme voix au chapitre, comme voix à la parole? Ben, ils étaient embauchés à titre individuel. Et non plus manque d'un groupe. Si on avait un qui avait un ennui, il faisait intervenir la corporation. Là, c'était plus possible. On était un isolé, on était embauché un par un, pas 50 personnes qui allaient affronter le patron, mais un par un dans le contrat d'embauche. Et pour faire de bonnes mesures, on a du même coup supprimé le droit de grève. Droit de grève interdit et droit de coalition, c'est-à-dire de syndicat, d'organisation de la profession, genre coopération, interdit. Parce que sous Louis XV et Louis XVI, le droit de grève existait. Alors, il n'y avait pas officiellement de droit de grève, mais une corporation, pour X raisons, pouvait arrêter le travail. Ce n'était pas officiel. Mais bon, c'était plus ou moins toléré que ça puisse exister. Là, c'était officiellement interdit. Donc, c'est le système libéral typique qu'on n'oserait même plus faire aujourd'hui, mais qui a été présenté comme une mesure favorable à l'époque. Et pour aller un petit peu plus loin, par rapport à la tradition primordiale et à tout l'aspect spirituel de l'évolution de cet homme nouveau, oui. En quoi cette introduction au libéralisme est-elle contradictoire, est-elle opposée au principe de la tradition primordiale? Eh bien, parce que la tradition primordiale est pour les corporations, c'est-à-dire qu'il y avait un côté spirituel aux corporations, comme les compagnons bâtisseurs au Moyen-Âge. Ils savaient monter une église, ils savaient monter un pont, mais il y avait un enseignement moral et spirituel avec le compagnon du devoir, avait un bagage moral. Là, on ne demandait pas à l'ouvrier qui allait travailler dans une fabrique d'avoir quelques formations morales que ce soit, une culture, de savoir lire quelque chose, tandis que là, dans les corporations, on faisait une éducation, puisque pour être admis maître ouvrier, il fallait réaliser un chef-d'œuvre. C'est-à-dire, on donnait un ouvrage à faire, tant de temps pour le faire, et il fallait montrer de la perfection dans son truc. Si on faisait, par exemple, un costume de mariage, il fallait exceptionnellement faire un costume de mariage. Une grille en fer forgé, il fallait faire ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Ça vient de là, le mot, faire un chef-d'œuvre. Mais là, à l'usine, dans une fabrique, ça n'avait plus de sens. Hein, donc, il n'y a plus la qualité du travail. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on produisait était jeté. Enfin, il n'y avait plus la notion de qualité et il n'y avait pas l'encadrement spirituel avec, on travaillait pour, je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que c'était sa formation en tant qu'homme soi-même qui participait à une œuvre par le travail. Le rapport et le placement par rapport à cette activité de travail était plus important. Voilà. Alors, puis il y avait tout un tas de cérémonies, hein. Il y avait la fête de la corporation, il y avait le défilé, on faisait une procession tel jour, on présentait les chefs-d'œuvre. C'était toute une organisation. Hein. Alors, je dis pas que c'est très moderne et que c'était très efficace en économie, mais bien sûr, l'évolution des temps fait qu'on est rentré dans le système de fabrique, d'usine, de manufacture, même s'il y avait des manufactures un peu sous l'Ancien Régime, mais c'était déjà la grande organisation d'entreprise, etc., etc. Et donc, on voit bien qu'il y a eu une évolution qui peut être négative vue du point de vue ouvrier. Du point de vue classe dirigeante, ça a été très bon, hein, comme résultat.
parce qu'il y avait un boom économique après, au 19e siècle. Mais bon, pour l'ouvrier, d'abord, il n'avait plus le droit de se constituer un syndicat pour se défendre. S'il était mis à la porte, il n'avait aucun recours. Hein. Bon, et puis on a trouvé que là, la lutte contre la religion, c'est de dire il y a beaucoup trop de fêtes religieuses chômées, c'est pas possible. Déjà Colbert, alors sous Louis XIV, avait trouvé qu'il y avait beaucoup trop de fêtes religieuses et que ça empêchait le travail. Donc, on était déjà de travailler les jours fériés. Ce qu'on dit aujourd'hui, il faudrait travailler les jours fériés. Colbert en avait déjà eu l'idée. C'était pas tellement bien passé à son époque. Mais alors là, la révolution, on va dire, vous allez encore à la messe, vous, non, bah, aller à l'usine, etc. Il y avait le fameux livret ouvrier, c'est-à-dire que on pointait tous les retards, toutes les absences maladies, tout sur un livret. Et quand on changeait d'entreprise, il fallait présenter son livret. Alors imaginez, quand vous étiez embauché, on feuilletait le livret, s'il y avait plein de pages écrites avec absence, retard, maladie, etc. Moi, je n'étais jamais pris. Là, vous la retrouviez à la cour des miracles parmi les mendiants, des trucs comme ça. C'est un système de ce genre. Donc, on fait passer ça pour un progrès. On veut bien globalement au niveau de la production, ça a débloqué un petit peu toute l'économie, mais c'est le système libéral typique, plus libéral qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le travailleur a des droits, vous n'avez pas à l'époque. Hein. On peut pas avoir une vision manichéenne et dire la révolution c'était bien ou c'était pas bien, mais sous certains aspects, ouais. Il y a eu lieu, sous d'autres aspects, dont ceux que tu présentes. Oui, mais tu te peux être interprété comme ça si vous prenez l'armée. Eh bien, avant, le roi qui voulait livrer une guerre appelait ses vassaux à venir sur le champ de bataille le rejoindre. Et puis là, on s'est dit, mais on ne peut plus faire ça. Voyez pas les Prussiens, ils arrivent, ils sont 50 000, levés en masse. On a vu levés en masse. Après, dans les armées de Napoléon, il y avait 200 000 hommes, 300 000 hommes. Tous les jeunes gens en âge de porter les armes étaient convoqués à l'armée. Après, on a institué le service militaire. Et donc, la vocation des armes, etc., et le noble métier de la guerre pour les chevaliers, ça n'avait plus le cas, puisque le moindre paysan pouvait prendre un fusil et aller à la bataille. D'ailleurs, on ne leur a pas demandé s'ils avaient un avis de aimer la guerre ou pas, puisqu'ils étaient mobilisés. Oui, ils étaient mobilisés, et c'était très peu, contrairement à ce qu'on pense, le volontariat. Peut-être en 1789-1792, le héros révolutionnaire s'est dit « je vais pourchasser l'ennemi royaliste », etc. Mais après, dans les armées napoléoniennes, vous n'aviez plus du tout le choix de faire le service obligatoire. Et il faut savoir que ces armées qui ont fait la guerre tout le temps, hein, 1792 à 1815, la France est en guerre. Il y a eu des centaines de milliers de morts, hein, sur tous les champs de bataille, Austerlitz, Wagram, machin, campagne de Russie. Mais une hécatombe phénoménale. Hein. Les guerres civiles en France, les guerres de Vendée, 100 000 morts. C'est des montagnes et des montagnes de morts. Pour une révolution qui disait la paix au monde, déclaration de paix au monde en 1789. Oui, il y a un truc qui est parti. Robespierre a un grand discours sur l'abolition de la peine de mort et après réclame la tête de Louis VII. Bon, on dira oui, mais les circonstances ont changé. Le roi a voulu s'enfuir à l'étranger, revenir avec une armée. C'était normal de l'arrêter, de le tuer. Ouais, oui, d'accord. Et bon, vous voyez un peu toutes les contradictions. Donc, tout est comme ça. Donc, si on prend l'aspect chevaleresque de l'Ancien Régime avec le combattant, d'ailleurs, les soldats étaient très contents d'avoir une épée et un fusil. Parce que du temps de l'Ancien Régime, le noble avait le droit de porter de l'épée et des armes. C'est eux qui faisaient le métier militaire puisque c'est la noblesse militaire, et le paysan, lui, il se battait pas. Quand son village était attaqué, peut-être qu'il prenait sa fourche pour tuer un ennemi, mais en gros, il n'était pas mobilisé. Alors là, quand on a dit aux soldats de l'an 2, là, aux sans-culottes, vous avez le droit d'avoir un sabre, vous avez le droit à une pique, vous avez le droit à un fusil, le gars, il était aux anges, même s'il se faisait tuer dès le lendemain sur le champ de bataille. D'ailleurs, à ce sujet, c'est la révolution qui est plus ou moins l'origine du nationalisme. Parce qu'avant, on n'était pas très nationaliste du tout, il y avait la France. Enfin, bon, il y avait des querelles dynastiques avec les souverains étrangers de guerre, mais il n'y avait pas la nation française contre la nation d'Allemagne, contre la nation d'Italie, contre la nation ceci. Alors, quand on inventait l'idée de nation, nous, on était la nation française, le patriote, etc. La nation revient tout le temps, hein, la nation et les patriotes, mais ça s'est transformé en nationalisme. La différence entre les deux, c'est qu'une nation, c'est l'ensemble des personnes qui veulent vivre ensemble, mais qui n'ont pas forcément la haine de l'étranger et vouloir lui faire la guerre. Quand on est nationaliste, il y a toujours le sens d'une supériorité. C'est la France, nos couleurs,
notre triomphe qu'on voit aujourd'hui en sport, parce que c'est beaucoup plus pacifique. Il faut tout prix gagner contre l'autre qui est un ennemi, parce que c'est l'Allemand, l'Italien, le Grec, l'équipe qu'on doit vaincre. À l'époque, c'était l'ennemi qu'on doit vaincre. Et le nationalisme est monté partout, dans tous les pays. En gros, on aurait donné l'exemple du nationalisme au monde. Ah, ça, c'est... Alors, ça atteint son summum avec la guerre de 14. Comme vous savez, on dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on était nationaliste à l'époque? Les autres pays, ils étaient tout autant. De cette guerre de 14, nation par nation, hein. France contre Allemagne, France contre l'Autriche, Angleterre contre ceci. Mais c'est né à la Révolution. Hein, donc, vous voyez. Alors, il y a ça. Il y a l'individualisme. L'individu était, seul maintenant. Parce que plus de paroisse, plus de corporation, rien du tout. Il y a le citoyen et l'État. L'État, le citoyen. On est seul en tant que citoyen face à l'État, mais on n'a plus de groupe de communauté, donc il n'y a plus de corporation, il n'y a plus l'ambiance de paroisse et de village, etc., même si on n'a pas fait fermer toutes les églises. L'individu devient individu, quoi. C'est pas individu dans un groupe, c'est individu tout seul. Donc c'est un culte de l'individualisme qui a été répandu. On en fera un catalogue absolument invraisemblable, hein, etc. Alors, le gros morceau, c'est la déchristianisation. Voilà que la Révolution a eu l'idée de déchristianiser le pays. Alors, c'est très peu connu, parce qu'on s'est dit, pourquoi cette idée saugrenue? Parce que, les prêtres ont dû continuer à ouvrir les églises, à faire la messe, etc. Eh bien, vu le travail des philosophes, de la franc-maçonnerie, etc., eh bien, l'église était condamnée. Puis en plus, comme la monarchie était de droit divin, c'était lié, donc le roi, c'était l'absolutisme, et l'église travaillait avec eux. On n'avait pas de raison d'obéir à un pape à Rome. Les cardinaux et les évêques étaient des privilégiés. Mais le pauvre curé de campagne, qui, lui, avait pas plus d'argent que le paysan, il a été mis dans la même sauce. Hein? Donc, on a fait fermer beaucoup d'églises, on a abattu des tas de prêtres. Hein? Il y a beaucoup de prêtres qui sont passés à la guillotine. Hein? Alors, ils avaient quand même fait quelque chose de mal, ils avaient refusé de prêter serment à la Révolution. Hein? C'est-à-dire qu'à un moment, on a fait ce qu'on appelle la constitution civile du clergé, c'est-à-dire qu'on a fait un texte comme quoi on réglementait la religion et que le prêtre serait payé par l'État. Donc, quand le prêtre est payé par l'État, il devient fonctionnaire. Donc, il y avait constitution civile du TRG, le prêtre appointé par l'État, donc fonctionnalisé, vous voyez l'importance de l'État et à quelle sauce était mis la religion, et prêté serment de fidélité à cette constitution civile du TRG. Le prêtre qui refusait était réfractaire, ennemi et contre-révolutionnaire. Et donc, on faisait fermer son église, il n'y avait plus le droit de dire la messe, on le remplaçait par un prêtre assermenté, etc. Et donc, il n'y avait plus beaucoup de solutions. Le gars, il perdait ses fonctions. Bon, il n'était pas employé parce que pas fonctionnaire de l'État. Il pouvait dire des messes en douce pour des gens très, très, très croyants, etc. Mais bon, il pouvait tomber aux mains de la police, fuir à l'étranger, etc., etc. Ça a été une catastrophe, quoi, pour le clergé. Donc, beaucoup de réfractaires, on les appelait les prêtres réfractaires, ont été guillotinés, massacrés, et tout ce qui s'en suit. Mais ça n'a pas suffi à la Révolution, qui a eu, en plus de là, une mesure vexatoire un peu contre le clergé, a voulu nuire en tant que tel à la religion. Alors, ces fameux changements de calendrier. C'est-à-dire que la Révolution qui renouvelait tout, a voulu changer les temps qui passent. C'est-à-dire que on a cassé la semaine de 7 jours pour faire des mois en portions de 10 jours, qu'on appelle des décades. Donc on faisait des mois de 30 jours, de 3 morceaux de 10, plutôt que la semaine de 7 jours. Alors, est-ce qu'on l'a fait volontairement ou pas? Le clergé va dire, oui, mais le 7e jour, c'est le jour du Seigneur, c'est sacré, donc c'est le dimanche. Si vous faites des semaines de 10 jours, eh bien, vous cassez le dimanche. Ça a été fait volontairement. Donc, comme ça, il n'y avait plus de messe, il n'y avait plus de dimanche, puisque ça devenait un jour de travail, puisque c'était des portions de 10 jours. Donc, on appelait, alors le 10e jour était férié quand même, ça s'appelait un décadi, mais c'était plus un dimanche. Donc, ça faisait 12 mois de 30 jours, ça faisait 360. C'était un compte-rond, c'était très bien. Après, on perd un jour férié par mois, quoi. Voilà, tu as tout compris. C'est que du coup, on n'avait plus que 3 jours fériés au lieu de 4. On avait 4 dimanches, on a 3 décadis.
pour 30 jours. Donc, l'économie, l'État a gagné un jour. Puis alors, bien sûr, comme c'est une année de 365 jours, il manquait 5 jours, on les rajoutait tout à la fin de l'année, qu'on appelait les jours sans culottide, c'est-à-dire les 5 jours mis à part. Bon, on faisait des fêtes révolutionnaires, des tas de trucs un petit peu à part. Et curieusement, c'était le calendrier égyptien. On faisait 370 jours parce que c'était rond et 5 jours à part pour récupérer les 5 jours de la tradition. Alors, une curiosité extraordinaire. Puis après, on a changé les années. On a voulu dater les années à partir de la proclamation de la République de 1792. Donc, on était en l'an 1, puis après en l'an 2, en 3. C'est pour ça que dans les documents, vous avez 25 floréales en 4, 20 nivoses en 6, etc., etc., pour plus faire référence aux années depuis Jésus-Christ. Donc, on supprimait le dimanche, on supprimait la semaine de 7 jours, on supprimait le nombre d'années en année normale, c'est-à-dire 1792, 1798, etc., etc. Et on changeait la nomenclature des années, on changeait le nom des mois. C'est-à-dire, au lieu d'être habitué à janvier, février, mars, ben, on avait pluvios, nivos, vendémiaire. C'est pour ça qu'on dit coup d'état de Bonaparte du 18 Brumaire. C'est qu'est-ce que c'est que Brumaire? C'est le mois des brumes, c'est novembre, quoi. Etc., etc. Une table rase sur, donc, il y avait véritablement une volonté de table rase, du calendrier chrétien en lui-même, pour en arriver au fait que les gens oublieraient le fait même qu'il y a eu un christianisme et une religion. Ce qui fait quand même un peu beaucoup, hein. Et dernier point, alors, c'est, les guerres de Vendée. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que ça s'est passé en 93, début 94. Et alors, il y a une petite histoire là-dessus. C'est que pendant très, très longtemps, il a été quasiment impossible de faire des études là-dessus. C'est-à-dire, qui voulait étudier les guerres de Vendée dans le cadre d'un mémoire de doctorat, d'une thèse, de livre, c'était absolument impossible. Il n'y avait pas accès aux archives. On disait, mais pourquoi? Quand enfin ça pouvait se faire, mais pourquoi vous voulez absolument étudier ça? Et il a fallu attendre au moins un siècle pour pouvoir commencer à ouvrir les archives, à regarder ce qui s'était passé. Et dernièrement, ben là, dans les années 70, 80, 90, il y a beaucoup de thèses qui sont sorties là-dessus, qui ont été cassées par l'école historique officielle, quoi. C'est-à-dire, il y en a un qui avait osé intituler son livre « Le génocide vendéen », cassé, parce que tout en étant un grand historien, pas un ésotériste du tout, hein, un grand historien, mais dire vous pouvez pas employer le mot génocide, parce que toute la population vendéenne n'a pas été exterminée jusqu'au dernier, donc vous n'avez pas le droit d'employer cette expression-là. Si je comprends bien, il y a un tabou autour de cet épisode de l'histoire de France. Oui, oui. Donc il y a eu un tabou total pendant un siècle et quelques. Alors maintenant, il n'y a pas beaucoup plus de centaines de livres qui sortent sur ce sujet-là, hein. Un petit peu dans quelques revues d'histoire, mais bon, c'est, en gros, on tergiverse aussi en disant, vous savez, il y a autant de fautes des Vendéens qu'autant de fautes des Républicains. Alors, en gros, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu deux choses particulières, un petit peu plus, mais surtout la levée en masse, quand en 1792, vu que l'ennemi arrivait et que notre armée, bien sûr, composée de chefs royalistes, etc., était plus ou moins inefficace, et puis il y en a de sauvés à l'étranger, puis d'autres qui se battaient mollement, parce que, etc., on a dit, bon, ça suffira pas pour gagner, il faut faire la levée en masse, une levée de 300 000 hommes. Et alors, dans les campagnes, ça fait sensation, parce qu'on s'est dit, oui, mais nous, les travaux des champs, oui, mais nous, les vaches, oui, mais nous, ceci, alors peut-être que l'homme de la ville, lui, il peut aller à la bataille, mais nous, on peut pas quitter nos fermes, nos campagnes, etc., donc ils ont refusé d'y aller. Et puis alors, dans des coins un petit peu ruraux, comme la Vendée ou la Bretagne, on restait très attachés à l'Église, quoi. Donc, le fait de persécuter l'Église, ça n'a pas beaucoup plu, quoi. Donc, à un moment, quand on est venu chercher les jeunes pour le service militaire, soit ils se sauvaient dans les campagnes, soit il y a eu une résistance, il y a eu des protestations. Il y a eu, alors, le jour où il y a eu un coup de feu contre des gardes républicains, alors là, forcément, ça a déclenché les hostilités. Et la Convention a décidé d'envoyer une armée, non plus là contre les Prussiens, contre les Autrichiens, mais purement et simplement contre des Français. Mais des Français n'acceptant pas la Révolution, ou la critiquant un petit peu, ou étant mollement de son côté, et donc accusé ipso facto d'être contre-révolutionnaire.
Et donc après, ben alors il s'est trouvé qu'au début, les Vendéens ont gagné. C'est-à-dire dans leur bocage, derrière les, avec des fusils de chasse, avec des fourches, avec des sabres, réussissaient à tendre des embuscades à des détachements de l'armée régulière, et donc à les repousser, forcément renvoyer de renfort, en recommencer, les autres s'agglutinaient, etc. Donc il y avait, en gros, c'était la méthode de la guérilla. Les Vendéens attaquaient des détachements, des convois de ravitaillement, des troupes. Et puis, une fois qu'ils commençaient à avoir le dessous, bon, s'égayer dans la nature, et puis se regrouper plus loin. Et puis, après, il y avait une embuscade ailleurs, que c'était vraiment un truc absolument carabiné. Bon, jusqu'au jour où la Convention a décidé que ces affreux contre-révolutionnaires, etc., eh bien, devaient être châtiés comme il se doit. Et là, on a envoyé une gigantesque armée. Et on a pris même des généraux qui avaient combattu les Prussiens, etc., pour réprimer en Vendée. Et donc là, il y a eu une grande bataille, je sais plus à quel endroit, et là, les Vendéens, ben, face aux canons, aux charges de cavalerie, ben, tout ce qui s'ensuit, ont perdu. Et à la suite, ben, ça n'a pas suffi à la Convention, qui a trouvé qu'il y avait beaucoup trop de survivants de ce genre de choses, ont décidé une extermination. Alors, j'ai plus le texte en tête, j'ai pas eu le temps de le rechercher, et je crois qu'il y a quelque chose, ça s'appelle pas comme ça, mais ça équivaut à un décret d'extermination. Et Ah ouais. donc, on a envoyé, alors forcément, on ne pouvait pas tellement étudier ça à une certaine époque, parce que la Convention républicaine qui signe une sorte de décret d'extermination d'une partie de la population française sous prétexte de contre-révolution, alors que la tuer les femmes, les enfants, les grands-pères, tout le monde transperçait la baïonnette, tout ce qui s'ensuit, et on raconte que des soldats prenaient des bébés par les pieds, les jetaient en l'air et d'autres les rattrapaient sur les baïonnettes. Alors, on ne sait pas ce que les bébés pouvaient avoir de contre-révolutionnaires, mais comme leurs parents l'étaient sûrement. Alors, on a fait ce qu'on appelle les campagnes de Turreau. Alors, Turreau, c'est le grand général qui commandait l'expédition donc d'extermination. Il avait divisé son armée en 10 colonnes, avec des itinéraires de village, de ville, etc., et d'aller jusqu'au bout de l'itinéraire et de tout éliminer sur le passage. Donc de prendre les villages, d'abattre les résistants, bien entendu, mais de brûler les fermes, de voler bien sûr tout ce qu'ils pouvaient pour leur ravitaillement, et de tuer ben, tout ce qu'ils pouvaient tuer. Donc il y a eu un massacre général jusque au village final. Et les quelques rares survivants et tous les autres qui ont pu savoir ce qui se passait avant se sont sauvés, ont passé la Loire, ont essayé de gagner le département de la Manche en espérant un secours anglais. Parce qu'on leur avait dit, leur chef leur avait dit, bah, écoutez, les Anglais vont venir vous aider, vont venir vous chercher, mais il faut que vous gagniez le bord de côte. Malheureusement, ils ont attendu sur le bord de côte des Anglais qui sont jamais venus, et comme ils ont vu bah, qu'on ne venait pas les chercher, ils sont retournés dans l'autre sens. Sauf qu'ils sont tous morts le long du retour, puisque pas de ravitaillement, puisque pour chasser, etc. Et ceux qui ont repassé la Loire dans l'autre sens étaient plus que quelques milliers sur tous ceux qui étaient partis au départ. Donc c'était un massacre absolument inouï. Et forcément, quand on étudiait l'histoire de la Révolution au XIXe siècle, on voulait considérer que c'est une page glorieuse de la République, on ne pouvait pas raconter ça. Donc si vous reprenez tous les manuels scolaires de Napoléon jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'aux années 60, il n'y avait même pas de mention qu'il y avait eu une guerre de Vendée. Oui, c'est un épisode très peu connu. Et Et alors, donc, et cette image que tu m'as fait passer, Michel, avec les héros de de cette guerre de Vendée. ce sont deux, ce sont les grands chefs de Vendéens, très très glorifiés aujourd'hui. Voyez, La Roche-Jacquelin à gauche. Alors, très célèbre, vous voyez, la bataille, même blessé, vous voyez, avec son bras en écharpe, très 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 grand seigneur, vous voyez les Vendéens derrière avec leurs fusils de chasse, leurs vieux tromblons, etc. Dans le milieu, d'Elblé, le général d'Elblé. Et à gauche, écoutez, son nom m'échappe momentanément. Il me reviendra peut-être. Hein. Là, ça m'échappe, excusez. Hein. La Te fatigue est tout redoubler un là. nom parmi tous ceux que tu cites. Voilà, c'est-à-dire que au début, c'était une insurrection vendéenne de la population. Paysannes et tout ce qui s'ensuit. À un moment, forcément, comme militairement, ils n'étaient pas très efficaces. Ils sont allés eux-mêmes chercher les seigneurs qui, au début, ne participaient pas au soulèvement. Et on dit, ben voilà, on a besoin de chefs, on a besoin de héros pour nous guider. Vous êtes des militaires, donc vous pouvez conduire les armées, etc., etc. Et donc, ils se sont eux-mêmes donné des chefs qui, d'ailleurs, ont presque tous été tués.
C'est-à-dire, il y en a qui ont été fusillés quand ils ont été pris, d'autres sont morts au combat. Il y a eu très, très peu de survivants, hein. Et donc, c'était un épisode assez, assez hallucinant qui a duré, en gros, un an. Hein. Donc voilà, on en est là, donc, pour toute cette histoire absolument invraisemblable. Alors, je ne sais pas, parce qu'il est tard, si on peut encore parler de Napoléon ou de l'Empire aujourd'hui, ça va peut-être faire tard. Moi, écoute, tout dépend de toi, Michel. C'est comme tu le sens. Moi, je suis partant, mais demain aussi. En résumant en 5 minutes, parce que bon, ben, il y a moins à dire que sur la Révolution, bien entendu, hein. Donc, en gros, quand il va y avoir la terreur, alors c'est Robespierre, le comité de salut public, qui déclenche cette terreur. On fait des fournées d'exécution, on a guillotiné peut-être 35 000 personnes pendant la terreur, hein. Un peu partout en France, pas seulement à Paris. La guillotine était place de la Concorde. Ça s'appelait pas place de la Concorde à l'époque, ça s'appelait place de la Révolution. L'échafaud était où est l'obélisque aujourd'hui? Ah, c'était un grand concours de foule quand il y avait les fameuses charrettes qui passaient des prisonniers, parce qu'on guillotinait pendant des heures et des heures. Donc, on vidait une prison et les charrettes passaient, on conspuait les prisonniers, ils passaient à la guillotine, etc., etc. C'était tout un cérémonial, hein, que vous avez vu tout à l'heure. On montrait la tête au peuple, on évacuait les corps et tout ce qui s'ensuit. Et puis, alors, Robespierre, le comité de salut public, avait une méthode particulière, c'est qu'ils luttaient un peu contre tous leurs ennemis à la Convention. Donc, on faisait ce qu'on appelle des fournées. Tel groupe, un tel était trop sur la gauche, un tel était trop sur la droite. Il y avait des monarchistes, il y avait ceci. Bon, à la fin, ils se sont guillotinés entre eux. Hein. C'est-à-dire que à la Convention, les Républicains étaient divisés en deux groupes rivaux, les Girondins et les Montagnards. Les Montagnards ont liquidé les Girondins et après, ils se sont liquidés entre Montagnards. Ah ben voilà. C'est-à-dire quand on dit que Robespierre fait exécuter Danton, parce qu'ils n'étaient plus d'accord en politique sur la suite à donner à la Révolution, quand on dit Danton passe à la guillotine, ne passe sur ordre du comité de la République, mais ils sont montagnards tous les deux. Donc quand on dit dans la Révolution, vous avez guillotiné des nobles, c'est des républicains qui guillotinent des monarchistes, il y a eu plus de républicains de tués que de monarchistes. Donc en gros, ceux qui étaient au pouvoir éliminaient les factions rivales. Ouais, donc c'est Dans la Révolution, c'est pour dire que le point de division était extrême, qu'il n'y a rien qui tournait normalement, parce qu'au moins avant, il y avait un roi, alors bon ou mauvais, sympathique ou pas, Louis XIV ou ma Philippe le Bel, enfin, un truc monolithique du pouvoir, mais là, je ne savais plus qui est qu'est-ce. Et alors, dans cette convention, n'importe qui pouvait passer à la guillotine. Il suffisait que le comité de salut public dise ben, tel groupe ne suit pas la marche de la Révolution, ou conteste l'effort de guerre ou conteste la répression en Vendée, vous étiez contre-révolutionnaire et vous passiez à la guillotine. Alors, on citait les noms, on sortait la liste, bon, des ennemis du peuple. Bon, ils étaient arrêtés par les gardes et passaient à la guillotine. Alors, vous allez dire, mais ça pouvait durer comme ça pendant combien de temps? Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus un seul député. Alors, chacun tremblait à toutes les séances de l'Assemblée. Hein, je vais être sur la liste. On va m'accuser demain d'être trop tiède révolutionnaire, de pas avoir assez condamné le roi, de pas avoir ceci, comme il y en a qui ne veulent pas voter la mort du roi. Ah, ils étaient un peu dans le collimateur, etc. Et à la fin, ben, ils ont été sauvés par Robespierre lui-même, qui a fait une erreur tactique. C'est-à-dire que à un moment, il désignait ses ennemis et il donnait la liste des ennemis du peuple. Et puis la dernière fois, il n'a pas donné de motif et pas de liste des ennemis du peuple. En gros, il y en a parmi vous qui, ceci, qui cela. Curieusement, là, pas de dénomination et pas de nom. Ce qui fait que chacun dans l'Assemblée a cru qu'il pouvait être le prochaine victime. Et donc, ils ont noué un complot pour le mettre en accusation. Et ont réussi. Ils ont eu peur. Hein. Il y en a qui n'osaient plus. Ils se sont un petit peu forcés la main pour soudain quelqu'un prendre la parole et monte à la tribune et décrète un acte d'accusation contre Robespierre. Alors les autres, comme ils n'attendaient que ça pour pouvoir l'éliminer, bon, il y a eu un vote, il a été arrêté. Et exécuté, passé à la guillotine à son tour avec tous ses copains, salle juste, machin, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on a mis fin à la terreur par un quasi-miracle. etc., etc. Alors, vous voyez où on en était. Dans la Révolution, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Hein. Dans le détail, ça, on y passerait des dizaines d'heures à raconter tous ces épisodes. C'est assez surréaliste comme épisode même. Ouais.
Ouais, ce qui montre bien que ça a complètement dérapé entre l'idéal au début, on abolit l'absolutisme, on conserve le roi, on fait une monarchie constitutionnelle, le roi et la nation gouvernent ensemble, on fait la fête de la fédération pour commémorer l'unité retrouvée, etc. Et puis après, vous avez la période de terreur. Ce qui est quand même assez surprenant, qu'on n'arrivait plus à arrêter à la fin. Ce qu'il y a avec cet épisode de Robespierre, là, comment ça s'est terminé, c'est qu'on n'arrivait plus à arrêter. Donc après, forcément, les survivants de tout ça n'ont eu qu'une seule idée, c'est de mettre fin à la terreur, mais pas à la République. Alors après, ça a dégénéré complètement. C'est-à-dire que c'était plutôt de l'anarchie. À un moment, c'était la droite qui dominait, il y a eu un semblant de retour des monarchistes au pouvoir, puis après, c'est passé à gauche, puis des patriotes, des antipatriotes, enfin, tout, un marasme total. La plupart étaient corrompus, hein, c'est-à-dire que bon, s'enrichissaient de façon un peu scandaleuse, comme quoi ils ne faisaient pas mieux que ceux dans un régime. Bon, le fameux barras du directoire, c'était censé être une fripouille finie, etc., etc. Et donc, la solution, c'était plus ou moins la solution militaire. Hein, c'est-à-dire que comme les caisses étaient toujours vides, bien entendu, vu la situation, avaient plus ou moins fait des campagnes militaires totalement artificielles, par exemple, l'idée d'attaquer l'Italie pour faire des républiques démocratiques en Italie. Bon, à l'appel soi-disant de patriotes italiens qui voulaient le secours de la France, on envoyait l'armée aux Pays-Bas, pareil, etc., etc. Et c'est comme ça que le fameux général Bonaparte, eh bien, s'est retrouvé à faire la conquête de l'Italie avec Arcole, Dusso, Rivoli, toutes ces batailles. Et, bien sûr, dans le traité de cessation des combats, eh bien, on faisait payer une indemnité de guerre considérable qui remplissait le trésor. Comme le trésor était rempli par l'extérieur plutôt que l'intérieur, on avait tendance à multiplier les guerres. Et à la fin, donc, les généraux ont pris une importance absolument considérable. Il y en a qui ont dit, il y en a un qui va prendre le pouvoir par un coup d'État, et ça n'a pas raté. Donc, Bonaparte a fait son fameux coup d'État. Je vous passe très vite sur le contexte du coup d'État. Voilà. Le général qui se présente pour dire qu'on veut attenter à sa personne, hein, parce que bon, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas d'accord qu'il fasse un coup d'État, on voulait l'empêcher. Hein. Et puis Bonaparte a crié aux gardes, soldats, forcément, pour eux c'est une idole, on veut porter atteinte à votre général. Alors il chasse les députés que vous voyez là sur l'image, et puis Bonaparte réussit, mais in extremis, hein, son coup d'État. Voilà, donc ce Bonaparte ensuite va, eh bien, vouloir faire un empire en 1804, va devenir Napoléon Ier. Et bien sûr, comme c'est un grand chef militaire, un grand stratège, un conquérant, eh bien, va conquérir toute l'Europe, comme vous savez. Je vous passe les détails, hein, toutes les campagnes militaires, c'est ce qui fait la célébrité de Napoléon. C'est pour ça qu'il a la gloire dans les livres et l'honneur pour notre pays, c'est le grand succès militaire, parce que bon, c'était très bien que la France gagne partout. Enfin, le régime était très sévère, hein, très, très dur, et comme je disais tout à l'heure, plus dur que du temps de Louis XVI. Alors, il y a des choses qui ont fait sensation, hein, quand même, c'est la campagne d'Égypte. Hein, c'était bien avant que Napoléon soit empereur, bien entendu, mais alors, quelle idée d'aller en Égypte en 1799. Alors, c'est pas pour voir les pyramides, hein. Même s'il y a eu une bataille au pied des pyramides, ce qui est extraordinaire pour l'époque d'aller en Égypte avec une armée, hein. 30 000 hommes, des dizaines de bateaux de guerre, des dizaines de convois d'accompagnement, court-circuitant la flotte anglaise en Méditerranée, débarquant en Égypte et se battant avec les Égyptiens et exterminant le sultan et son armée au pied des pyramides. La fameuse phrase de soldats du haut de ces pyramides, de 40 siècles vous contemple, etc. C'est cette histoire-là. Manque de peau. Les Anglais ont fini par s'apercevoir qu'il est arrivé en Égypte quand même et ont bloqué toute la flotte française dans la rade d'Aboukir en l'ont coulé. Voilà, donc les soldats qui étaient restés en Égypte, qui avaient gagné, mais là, un cuit, ont été faits prisonniers, sauf Bonaparte qui, sur un voilier, réussit à s'échapper, coche-circuiter la marine anglaise dans l'autre sens, à revenir en France. On ne sait pas trop par quel miracle l'opération du Saint-Esprit, encore une fois. Alors, cette expédition d'Égypte est très, très célèbre, puisque Bonaparte avait emmené, sur ordre, bien entendu, du directoire à l'époque, eh bien, tout un tas de savants de toutes sortes de sciences et des spécialistes d'histoire, d'archéologie, etc. Et c'est au cours de cette campagne que sera trouvée la pierre de Rosette, récupérée après la capitulation de notre armée par l'Angleterre, mais déchiffrée ensuite par Champollion, qui donnera la révélation des hiéroglyphes.
l'interprétation des hiéroglyphes, donc cette campagne d'Égypte est extraordinaire. On va retrouver l'engouement pour l'Égypte. Vous retrouvez d'aller au pied des pyramides, c'est quelque chose d'assez sensationnel. Mais le but de Bonaparte n'était pas celui-là du tout, c'était d'attaquer l'Angleterre. D'accord, c'était purement, purement voilà, militaire. C'était purement militaire. C'est parce que bon, les Anglais écumaient toute la Méditerranée et faisaient un commerce absolument inouï à partir du port d'Alexandrie, lui-même branché sur l'Arabie, l'Inde, etc. Et pour faire capoter le commerce anglais, il fallait prendre Alexandrie. Donc, il fallait faire une campagne d'Égypte. Manque de peau, ça a quand même échoué. Il faut bien le dire. Donc, Bonaparte est revenu, son armée est capitulée et restée là-bas, rendu les prisonniers après, etc. Donc, c'est une des choses sensationnelles hein, de l'épisode napoléonien. Et puis alors, le sacre. Alors là, c'est le comble des pauvres, comble, hein, parce que Napoléon a voulu être sacré comme un roi, comme un empereur, par le pape. Alors, vous voyez à quel point ça valait le coup de mettre fin à la monarchie de droit divin pour les révolutionnaires. Parce qu'on retrouvait un sacre avec le pape qui est venu à Notre-Dame de Paris pour sacrer Napoléon. Donc, il faut faire et reconstituer une noblesse. Hein, le maréchal machin est devenu duc de ceci, duc de cela, comte de patati patata. Alors, voilà le fameux sacre. Alors, vous savez la sensation du sacre. Vous voyez d'ailleurs la tenue de Napoléon hein, avec sa couronne de laurier quasiment en toge rouge comme un empereur romain. Et donc, il a enlevé la couronne de la main du pape et se l'est posé lui-même sur la tête parce que fallait pas quand même aller jusqu'au sens de l'ancien régime où le pape ou le cardinal de France hein, couronne le roi, hein, etc. Après, il a couronné Joséphine à lui-même. Alors, il s'est passé quelque chose de très curieux. C'est bien sûr que ça a été considéré comme une prétention inouïe de se couronner soi-même, mais on s'est aperçu qu'il y avait un empereur qui l'avait déjà fait. Et cet empereur qui l'avait déjà fait, c'est Charlemagne. Alors, pas de la même façon, hein. Ça, on n'a pas à enlever la couronne des mains du pape, on va la mettre sur sa tête. C'est que traditionnellement, à l'époque, Charlemagne était élu par ses pairs, c'est-à-dire chez les Francs, ça se passait comme ça, et la couronne était donnée par les pairs. Donc, le pape de l'époque était là comme caution, bien sûr, spirituelle, mais ne couronnait pas. Alors, c'est très curieux que Napoléon ait refait la même chose. Et on s'est dit, ben, pourquoi il veut... retourner aux traditions disons carolingiennes. Bon, comme Napoléon n'a pas fait que ça parce qu'il a repris les abeilles comme symboles, qui sont les symboles de Chilpéric des Mérovingiens, etc., etc. Et puis alors tout le décorum à la romaine et tout ce qui s'ensuit. Hein. Alors pareil pour le stade final qui est à la Russie. Quelle idée Napoléon a eu d'envahir la Russie? D'abord parce que le tsar lui cédait en rien, respectait pas le blocus continental, machin et ce truc, mais toujours attaquer l'Angleterre. Et par quel côté en fait, avec deux idées. Première idée, ben j'arrive pas à faire capituler l'Angleterre puisque le débarquement en Angleterre n'a pas réussi. Parce qu'à un moment, Napoléon, toute son armée était sur les côtes du Pas-de-Calais pour envahir l'Angleterre, mais il y avait beaucoup trop de bateaux anglais et de canonniers sur les côtes pour débarquer. Et Napoléon s'est dit, eh bien, je vais vaincre tous ses ennemis les uns après les autres. En disant que l'Angleterre n'aura plus d'alliés, elle n'aura plus de Germanie, plus d'Italie, plus d'Espagne, plus rien de faire la guerre partout. Et à la fin, le dernier allié, le tsar, ben, c'est autour du tsar de passer. Mais aussi avec l'idée extrêmement saugrenue d'attaquer les Anglais en Inde. Et pour attaquer les Anglais en Inde, il fallait passer à travers la Russie, il fallait faire capituler la Russie avant, et son rêve allait jusque-là. C'était la folie des grandeurs. Alors, quand on connaît Napoléon, on pense qu'on a envoyé une armée en Inde n'aurait pas été au-delà de ses possibilités. Elle aurait traversé toute la Russie sud et serait arrivée en Inde quand même, comme eh bien en Égypte et à Jérusalem. Alors, à l'époque, alors pourquoi pas? Puis alors là, vous savez que l'étoile de Napoléon a tourné. Campagne de Russie, la catastrophe monumentale, toute l'armée anéantie, revenue à quelques dizaines de milliers d'hommes sur 700 000. Et puis après, son empire a été perdu. Tous les pays se sont coalisés contre lui pour l'anéantir. Et puis là, ça a été fini. Bon, ben voilà, les armées étrangères gagnantes lui ont dit de pousser à l'abdication. Après, vous connaissez la suite. Hein. Première abdication, l'île d'Elbe s'est enfui de l'île d'Elbe, a repris le pouvoir, reconstitué l'armée, refait la guerre, réaboli un monarchie très tenace et redéclaration de guerre de toutes les puissances coalisées, défaite finale à Waterloo. Et donc, Waterloo, manque de plaine, voilà.
et de dernière bataille. Héroïque parce que submergé par le nombre. Et puis, bon, l'épisode très célèbre de la garde impériale qui se fait tuer sur place par les Anglais, par les tirailleurs anglais. Et c'est fini du rêve napoléonien et c'est fini en même temps de toute la période révolutionnaire et impériale. Et voilà, on arrête là. La fin, c'est que après, on va rétablir la monarchie. Donc, vous voyez comment ça se termine. On revient au frère de Louis XVI, Louis XVIII, qui remonte sur le trône. Donc, la révolution qui avait guillotiné le roi de façon spectaculaire, on a vu tout à l'heure, qui avait guillotiné Marie-Antoinette, qui avait guillotiné la sœur du roi, tout plein de personnes de la cour, etc., pensant liquider tout le monde, même laisser mourir le petit futur Louis XVII s'il avait vécu en prison, à la fameuse prison du Temple. Chez les Templiers, d'ailleurs, Louis XVI était enfermé dans le donjon de l'ancien ordre du Temple à Paris. C'est très original aussi comme chose, puisque la fameuse vengeance des Templiers contre les rois de France, c'est bien là, on était dans la prison du Temple. Et puis, bon, ben, en gros, on revient donc à la monarchie. Et curieusement, les deux frères du roi, le futur Louis XVIII et Charles X, ils n'ont pas été ratés. Il y en a un qui s'était enfui en Belgique, puis l'autre je sais pas où. Et du coup, ils ont pu reprendre le pouvoir de la dynastie des Bourbons, en fait. Avec la seule différence, c'est qu'on n'a plus une monarchie absolue. Elle est définitivement terminée avec Louis XVI, parce que c'est une monarchie constitutionnelle avec un parlement, des élections, etc. Et après, on a une courte période de quelques dizaines d'années de monarchie. Puis après, bon, on verra l'histoire la prochaine fois. On verra comme aujourd'hui. Il y aura encore plusieurs républiques qui vont suivre. Voilà, on arrête là pour aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais il est très tard, mais peut-être quelques questions. Je regarde s'il y a des questions. Alors, juste quelques précisions. Donc, le fameux héros de la guerre de Vendée dont tu ne trouvais pas le nom s'appellerait Jacques Cathelineau. Cathelineau, c'est ça. Oui. Voilà. Audric qui nous précise aussi le décret relatif à l'extermination des rebelles vendéens du 1er août 1993 fut appelé loi d'anéantissement de la Vendée. Ah bah, voyez. Anéantissement matériel et extermination des habitants. Et ça, c'est quand même un épisode assez peu connu, pas dans les termes dans lesquels tu nous l'as présenté ce soir. Et même pas connu du tout, hein, parce que dans l'intitulé, il me semblait bien qu'il y avait le mot d'extermination. Ouais. En tout cas, dans la réalité pratique du terrain, c'était sûr que c'était la même chose. Hein. Quels que soient les mots, il y a eu non pas un décret d'extermination, une volonté d'extermination, mais réellement appliqué sur le terrain. Quoi. Et donc, ça fait partie des grands massacres modernes, le fait qu'elle soit faite par une république. bon. Alors, j'ai pas trop de questions. Universelle, fraternelle, tout ce qui s'en suit. Ah oui. La dernière question, elle sera pour moi alors. Désolé les amis, si vous ne posez pas de questions au bon moment, j'en profite. Le personnage de Napoléon, on se rend compte qu'il récupère quand même beaucoup de symboles des temps passés, que ce soit romain, mérovingien. Lui, par rapport à la tradition primordiale, quel regard tu portes sur ce personnage historique ? Alors, bon, la tradition, on a un rôle négatif, hein, parce que c'est avant tout un révolutionnaire quand même, assez hostile à l'Église. Alors, même si là, il y a eu le sacre et que le pape y était, c'est quand même un pape qui a été plus ou moins résident surveillé, hein, parce que la révolution a fait mourir un pape, et Napoléon a séquestré et mis en résidence surveillée un deuxième. Donc, l'hostilité à la papauté qui, malgré tous ses défauts et la catastrophe, représente quand même la tradition chrétienne et les bases spirituelles de l'Occident, ça peut pas être très 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 approuvé. Hein. Donc, il y a ça. Bon, certains ont supposé aussi que Napoléon était franc-maçon. On n'a jamais eu de preuve qu'il l'était, mais alors tous les maréchaux l'étaient, tous les généraux l'étaient, il y avait des grandes loges militaires, etc. Et tous les symboles ne sont pas chrétiens. Donc, en fait, il y a quelque chose. Puis alors, les histoires du genre de faire un banquet pour les officiers dans Notre-Dame de Paris, avec les chevaux, avec les bottes de foin dans les chapelles, etc. C'est absolument... Ça a été mal pris. Voilà. Alors, bon, de dire qu'il est dans la tradition, alors, pas vraiment. Pas, on peut pas. En gros, il continue la lignée révolutionnaire. C'est quand même à la base un révolutionnaire, quoi.
et un conquérant. Et donc, bon, il n'a pas, non, il n'a pas l'aval de la tradition, quoi. Alors, ben, écoute, un continuateur, vu la guerre européenne qui a fait des centaines de milliers de morts, hein, si on additionne toutes les batailles, de quand même le carnage, le sang versé, et puis alors, bon, aussi très pratique, très pragmatique, très, très dictateur, hein, rien du tout de spiritualiste. Hein. Ouais, moi, je le range dans la catégorie de la centrale de contre-initiation. Enfin, c'est pas moi qui peux décider, mais ça m'étonnerait que les maîtres le cautionne comme représentant de la tradition primordiale, à moins d'être un agent de la subversion qui aide à la dégradation du cycle. Bon, ben là, on ne sait jamais si c'est interprété dans ce sens-là, que les forces de désagrégation participent au schéma général de la précipitation de la fin du cycle. Là, ça a un sens. Ben, on va interpréter comme ça, c'est... Disons qu'on sort encore une fois de la vision manichéenne et tout ouais, est ouais, oui. Et, oui, interpréter à ce niveau-là, c'est très compliqué. Oui. Voilà, je pense qu'on peut arrêter là, non oui. Pas parce que j'ai pas envie de continuer, parce que moi, vous me donnez une heure de plus, je la remplis, mais parce qu'on peut parler de plein d'autres choses, hein, mais je crois qu'il faut arrêter quand même. Mais écoute, pour ce soir de camp, on va s'arrêter là, on a été au bout de ce qu'on avait prévu de faire, on a été jusqu'à cette fameuse défaite de Waterloo, avec pas loin de 3 heures d'émission ce soir, donc un grand merci de nous avoir consacré tout ce temps. La prochaine émission, on poursuivra et je pense qu'on terminera cette séquence sur l'histoire secrète de France. On essaiera de creuser un petit peu plus sur cette tradition primordiale. J'aurai quelques questions à te soumettre la prochaine fois parce que je pense qu'on prendra le temps de faire une synthèse sur ces 5 émissions et surtout sur cette histoire de France depuis la préhistoire. Le prochain rendez-vous, Michel, c'est le jeudi 10 mai. Donc, on te dit à très, très bientôt sur Mira TV. Je finirai l'émission sur ce petit commentaire de Laurent qui nous dit en un mot époustouflant. Merci, Michel, pour cette superbe conférence. Et je pense que nous sommes des centaines, voire des milliers, à te faire le même compliment. Donc, un grand, grand merci. Et on te dit à très bientôt sur Nuria TV. Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci Michel. Merci de et puis, au 10 mai, alors, 10 mai, une date très, très symbolique. Parce que la France a été envahie le 10 mai 40. Donc, je sais pas si la date est très spéciale. Il n'y a pas de hasard. Dans notre pays, toujours les mois de mai. Hein. Bah, attention, on arrive en mai. Allez, merci au revoir beaucoup, à tous. Michel. Merci. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Les Nuréens, avant que je ne rende cette antenne, juste une petite précision sur la suite du programme pour cette semaine sur Nuréa TV, puisque jeudi, pour celles et ceux qui s'inscriront à ce cours, vous pourrez retrouver Nora en compagnie de Sandrine Buzyn pour un atelier cours par vidéo avec pour thème le pouvoir des affirmations positives. Donc pour toutes celles et ceux qui ont déjà eu la chance et le plaisir de participer à des cours avec Nora et Sandrine, vous savez à quoi vous attendre, vous allez apprendre plein de choses dans une ambiance toujours aussi bonne. Et Sandrine a vraiment beaucoup de choses à partager et est une enseignante lors des cours vidéo particulièrement intéressante, donc je vous le conseille vivement. Voilà, donc ça sera jeudi 19 avril, donc dans 2 jours, et ça sera à partir de 20h30 sur Nuria TV. Et pour s'inscrire, rien de plus simple, vous allez dans la rubrique cours vidéo, et dans cette rubrique, vous avez toutes les informations pour vous inscrire aux cours vidéo. Vous vous inscrivez en ligne et vous recevez les liens dans votre boîte mail qui vous permettent le jour de l'émission ou en replay et autant de fois que vous le souhaitez de visionner ces cours-là. Voilà, les amis, un grand, grand merci. Vous avez été nombreux et jusqu'au bout. Et je pense que presque tout le monde est resté jusqu'au bout. Donc, encore une fois, la preuve que notre invité est quelqu'un de passionnant et on a hâte d'être au jeudi 10 mai pour la suite de cette histoire secrète de France. D'ici là, les amis, prenez soin de vous, passez une bonne fin de soirée et surtout, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt, au revoir.